Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec Gérard Boyadjan. C'est comme ça qu'on prononce Parfait. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais je t'en prie. Voilà, parfois les choses se font très vite. J'ai demandé hier, ça s'est fait aujourd'hui. Tac, tac. Ça, j'aime bien. Efficacité euh, parfaite, quoi. Avec grand plaisir. <laughs> Alors, Gérard, tu es euh, un, un homme de cinéma. Tu es un réalisateur, acteur, souvent acteur de tes propres films, réalisateur indépendant. Euh, et... Euh, tu es également, et ça on verra ça dans une deuxième phase de l'interview, parce qu'on va d'abord parler cinéma, ça fait plaisir de parler cinéma, euh, par tes choix de, de scénarios, de mise en scène, par les films que tu as faits, notamment un, euh, tu as été amené à, bah devant la justice française, voilà, cette justice qu'on aime tant et auquel j'ai eu affaire moi-même. Alors on va commencer par le début, Gérard, euh, tu es euh, un enfant, à la base, tu es un enfant originaire de deux parents arméniens. C'est ça. Alors. <laughs> Cette première question on va peut-être t'étonner, mais j'en discutais hier avec mon collaborateur à ce Vélos, Yann Mercado, et on n'arrivait pas à déterminer si les Arméniens se considèrent comme européens ou, euh, ou pas. Tu sais, C'est les pays un peu frontières comme ça, on ne sait pas trop. quelle est la... En Arménie, qu'est-ce qu'on pense de la France, de l'Italie Est-ce qu'on pense qu'il y a une communauté de peuple avec, euh, avec ces gens-là Toi, quand tu étais enfant, tu te disais, bah, ok, je suis arménien, mais je suis parfaitement européen. Quelle, quelle vision avais-tu avais de toi-même ah, c'est une bonne question. ça me renvoie à mon enfance. Euh, ouais. alors, je ne prétends pas me, me transposer dans la voie de tous les arméniens. Mm -hmm. néanmoins, je sais que effectivement mes deux parents venaient d'arménie. Euh, ils se sont connus en france et ils ont eu comme priorité absolue euh, de nous inculquer, tout d'abord, la langue française, la culture française, en omettant, en ce qui concerne ma génération, un petit peu le euh, notre arménité, euh, de manière à ce que notre euh, éducation, notre culture et notre euh, instruction soient profondément ancrées euh, en France et dans la langue française. Assimilation, non Assimilation. Euh, alors, on, je dirais que l'époque nous ramène euh, un petit peu tous à nos origines, mm -hmm. étant donné euh, l'état de déliquescence de ce qu'on vit en France. Donc, si vous voulez, euh, si tu veux, pardon. Mm -hmm. Le... Les Italiens sont ramenés à leur euh, culture italienne, euh, les, les Espagnols à la leur, les Arabes à la leur, les Arméniens oui. à la leur. Pour revenir sur, ce, sur cette question-là, je pense quand même que l'Arménie ne fait pas partie de l'Europe euh, mmh. géographiquement, elle fait partie du Caucase. Mmh. Euh, la culture est quand même euh, Oriental, différente, un petit orientale. Euh, je pense que l'Arménie. Parce que la tâche est, 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 est forte au niveau de la chrétienté, c'est mm -hmm. surtout cet aspect-là. Ah oui, voilà, ouais. c'est là où il peut avoir une communauté un peu d'esprit entre, entre des peuples. Je pense qu'il est quand même très très difficile d'ôter euh, la chrétienté euh, à ce qu'on peut globalement considérer comme l'arménité. Oui, c'est difficile. En fait, je vais repréciser ma question. Du fait de, de, de l'hostilité qu'il y a pu avoir avec euh, la Turquie, oui. euh, est-ce que par effet rebond... Il n'y a pas euh, chez les Arméniens cette idée de se dire qu'ils sont plus occidentaux que, occidentaux chrétiens qu'orientaux C'est ça ma question. Quoi. Mais, euh, que je connais très peu le pays en fait. Alors euh, c'est un tout petit pays. Oui. C'est un caillou hein, de moins de 3 millions d'habitants euh... Moi j'ai été deux fois. J'ai deux fois là-bas pour tourner d'ailleurs. D'accord. Euh... Ouais. Et j'ai découvert euh, sur place le là où mes parents avaient, euh, avaient grandi, mmh. euh, donc ce qui m'a aussi fait comprendre de ce pourquoi ils sont partis. Ah. Euh, alors je vais, je vais essayer de répondre de manière assez courte, mmh, parce que c'est euh, une longue histoire, mais mes deux grands-parents qui ne se connaissaient pas, paternels et maternels, sont repartis en Arménie suite à la propagande stalinienne de repeuplement, euh, fin de la Seconde Guerre mondiale, de repeuplement des territoires. Okay. Donc ils étaient déjà en France. Ils étaient arrivés de la première vague, qui était la vague du génocide arménien. Ah, ok. Mais sous euh, l'effet de cette propagande, ils, ils ont ouais, remigré. Ils ont remigré parce que pendant 24 ans, ils ont caché leur passeport dans leur jardin, leur passeport français, parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte et vite déchantés de ce qu'on leur avait promis au moment du, euh, du retour. Oui. Entre-temps, ils sont mariés, ils ont eu des enfants. Et ils sont venus euh, en France dans les années 70. D'accord. Alors, la France représentait cet idéal. Euh, bah, pas que pour eux d'ailleurs, mmh. je veux dire pour beaucoup, beaucoup euh, d'extra-européens et dans ces années-là. Oui, oui. C'était un fleuron euh, à tous les niveaux, euh, culturel, social, économique. Bon. Ouais. Voilà. Parce que quand tu arrives d'Arménie en 1970 en France, t'es pas mal. quoi Mon grand-père me disait, mais avant de décéder, il me disait, mais Gérard, quand tu arrivé ici, on laissait la porte ouverte dans oui. la voiture. Oui, 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 oui. J'avais envie de lui dire, maintenant même la porte fermée, on te l'ouvre. <laughs> bon. Maintenant, il faut une alarme <laughs> si quelqu'un rentre malgré la porte fermée. Bon, c'est. Alors, je n'arriverai pas à répondre directement à cette question. Est-ce qu'ils se non, considèrent plus oriental, plus occidental Moi, je dirais quand même que... Ils ont leur culture propre. Oui. oui mais euh, ils ont, oui. en tout cas, il n'y a pas d'hostilité. Au contraire, il y a même ah plutôt un, un amour non, non. un peu de, des cultures françaises, italiennes, d'Europe de l'Ouest. quoi. Tout à fait. D'autant mmh. plus qu'ils sont assez euh, homogènes. Mmh. Euh, pas si métissés. Mmh. Dès lors, si vous voulez, ça, si tu veux, pardon, ça... ça je suis impressionné, on se tutoie tout le temps, mais là, comme c'est l'émission. Ouais, moi aussi, je suis déstabilisé. Voilà, Alors, voilà. Moi, c est, c est... On est toute chose. <laughs> c'est le. Ils n'ont pas, si tu veux, cette, ce sentiment qu'on développe, nous, ici, en France et en Occident, de, 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 de défense. Oui, oui d'accord. On ne sait pas s'il si y a une hostilité. Le, mm -hmm. Quand on va en Arménie, les gens, ils sont, ils sont gays, ils sont souriants. Il y a une jeunesse qui est épanouie. Je, je les vois, le sourire aux lèvres. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de délinquance. Ouais. C'est frappant. Ça nous, ça nous pose, en tant que Français, la véritable question mais qu'est-ce qu'on est, qu est devenu Oui, c'est qu -ce ça. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé par, effet, par contraste, en fait. Oui, ouais. Ouais. oui. Comment était ton enfance Tu as eu une enfance heureuse J'ai eu une enfance très heureuse, mm -hmm. me semble-t-il. Euh, J'étais, euh, j'ai été quand même un cancre. Ouais. Mais je ne, j'ai eu un papa qui était très euh, euh, où la discipline et la méthode euh, prévalaient surtout. Et une maman qui était une maman euh, qui est toujours une maman chaleureuse euh, orientale quand même parce que bon euh, même quand on mange bien on, elle pense qu'on n'a pas assez mangé <laughs> voilà donc je sais pas ça fait cliché mais c'est c'est oui, 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 euh, un peu non j'ai une enfance très heureuse ça marche ouais. aussi pour le sud de l'Europe tu sais quand tu vas quand je vais en Italie du sud euh, que je vois un peu la famille euh... oui 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 je me reconnais profondément ah, dans les dans les gens que de... je suis obligé de perdre 5 kilos avant pour les reprendre voilà voilà. technique C'est la même chose. <laughs> C'est la, <laughs> la même chose. <laughs> Pour qu'on ait un petit peu une, une idée, tu es quadragénaire, tu as à peu près 40 ans. J'ai eu 41 quoi. ans. D'accord, bah donc en gros, euh, ouais, tu es né au début des années 80. Euh, je suis né en 77. Ah 77, 77. Ah, ah, d'accord, d'accord. Voilà. Donc, euh, donc en fait, c'est en fait, toujours pour calculer à peu près par rapport au degré de, rem de remplacement ethnique, oui. euh, tu as connu quand même une école euh, relativement euh, française de souche ou, ou pas Oui, je pense qu'à l'école, si je reprends l'école maternelle, j'ai des photos de CM2 euh, à l'école euh, de Victor Hugo d'Alfortville mm -hmm. où euh, je devais être, on devait être deux Arméniens par classe, un Portugais. Alpharvill, il y a beaucoup d'Arméniens. Mmh. Donc, euh, il devait y avoir un Algérien, un Portugais, un Arménien, euh, un Africain, l'Afrique euh, noire, et puis euh, voilà quelques. Surtout, mais la classe de 25 personnes constitue à peu près, on va dire, euh, au bas mot 20, mmh. voire 18 euh, ouais. Français de souche. Tu, tu, tu étais. Euh, à la, ta scolarité, ça, ça, ça allait, quoi. Je veux dire, en dehors de tes, euh, de tes notes, d'ailleurs, c'est marrant, on a un point commun, c'est mmh. qu'on a, on a à peu près les mêmes commentaires sur les bulletins. Euh, Récemment, en fait, Gérard a, a publié un bulletin euh, scolaire, oui. Enfin, euh, je peux comment on dit. Euh... C'est ça, c'est voilà, ça. Voilà, voilà. Ouais. Et donc, en gros, c'est marqué bavard à toutes les, toutes les matières. Et j'avoue que là, non. on se ressemblait pas mal, quoi. J'étais bavard, j'étais assez... Euh... Non, j'ai été un étudiant médiocre. Hum. Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire à ce moment-là, quand tu avais 14-15 ans Non, pas du tout. Qu'est-ce qui t'a amené finalement euh, au métier de l'audiovisuel Oh là là, c'est... Alors, euh... moi, je suis... Euh... Alors, j'étais vraiment dans des voies de garage. Mm -hmm. Je n'ai pas, pas le bac. Moi, j'ai un bac moins 2. Je ne sais pas si ça existe dans ce sens. Là, je le dis souvent d'ailleurs. Ouais. Bon. Euh, j'étais dans un stage de comptabilité, qui est une voie de garage, un BEP Compta. Voilà. Je ne sais même pas si ça existe encore. Ça ne sert absolument à rien, je pense. Mais bon. Bah, à compter. Euh, à compter. Et donc, du coup, euh, j'arrive grâce à une de mes tantes à partir en, euh, en stage. Oui. Un stage qu'on a dégoté sur la région parisienne. Au bout d'une semaine, je m'ennuie profondément, euh, j'agace son patron, etc. Je décide de prendre un billet pour partir euh, aux États-Unis. Oui. Euh, le temps de mon stage. Sauf que j'y reste un an et demi, je suis jamais rentré. Ah ouais <laughs> voilà. Ça t'a plu, quoi, en fait. Euh, bon, les... je suis resté un an et demi. J ai, j ai, finalement, je me suis inscrit à l'école là-bas. Ouais. Donc, j'ai appris l'anglais. Je rentre en France euh, et je suis euh, tout de suite mis au service militaire, puisque j'étais la dernière génération. Euh, qui devait faire son service militaire et puis tant mieux ou tant pis pour toi, enfin ne sait tant... pas trop dire. Oui bon, c'était une expérience qui m'a semblé marrante. D'accord. Euh, beaucoup de perte de temps, mais bon, il y avait du bon aussi. Mm -hmm. Et puis euh, pendant mon service militaire, je tombe amoureux d'une fille qui est euh, d'origine du Mexique. Euh, cette fille, euh, au bout d'un an, doit repartir et je décide euh, d'aller euh, au Mexique. Je re... Donc je, je rentre, enfin je pars au Mexique et à ce moment-là, ce... Dans mon cheminement, je tombe dans une école de, de Je ne sais pas si on dit actorat en français, mais oui, je crois que c'est théâtre dit, hein. ou de télévision. D'accord, au Mexique. Au Mexique. D'accord. Alors c'est une anecdote qui est absolument incroyable puisque je considère aujourd'hui que c'est la pire école euh, de cinéma ou de, ou de théâtre au monde. Pourquoi Mais parce que c'est la fabrique des petits soldats des telenovelas. Ah d'accord. Donc j'ai atterri là-dedans. <laughs> Mais je pense qu'on peut apprendre même de la pire école, parce que oui. j'ai rencontré les meilleurs professeurs dans la pire école. Ah oui. C'est un paradoxe euh, saisissant. Mais tu t'es inscrit comme ça par curiosité Tu dis tiens, je vais essayer de faire du théâtre, du cinéma bah, Par curiosité, mais surtout parce que, bon, j'étais quand même assez bout en train, j'étais mmh. quand même assez explorateur, et c'est quelque chose qui m'a... Euh, pourquoi pas moi J'avais euh, finalement envie d'essayer. Alors évidemment, je ne correspondais pas au type. Mmh. Euh, au type d'acteur. J'avais pas un visage fin, je n'étais pas, ouais. pas très beau garçon, je ne suis pas Brad Pitt ou, ou, ou le prototype de la télé Jugez en commentaire, Gérard est-il un beau garçon Vous avez non. deux heures. <laughs> Alors, je, je, je me rends compte qu'il y, <laughs> y a une recrudescence euh, après avoir été complètement euh, submergé par le métrosexuel qui, qui redevient en ma faveur, on va dire. Ça, euh, ça, voilà. ouais, Ceux ouais, qui ouais. cherchent des lunos Ventura vont plus venir vers moi. T'as de la gueule, quoi, en tout cas, bon, en ce sens C'est voilà, voilà. plus rassé, voilà. C'est plus Exactement. Donc j'ai atterri au Mexique, où j'ai étudié pendant un an, un an et demi, ce qui m'a permis d'apprendre la langue et ce qui m'a surtout permis de ne pas reproduire euh, ce que l'école préconisait, d'ailleurs, euh, de devenir ces petits soldats de de telenovelas. Ouais. Voilà. Le parcours transversal, assez as un autodidacte, en fait, un peu. As, Complètement. T'as touché à tout, t'as pas mal voyagé et à un moment donné, euh, c'est un peu par les hasards de la vie, sont surprenants, quoi. Tu Oui. Oui, oui. Est-ce qu'à l'époque tu aimais déjà le cinéma en tant que spectateur Non. Tiens, non. Non, je n'avais aucune culture, ni cinématographique, ni littéraire, ni. Là, t'as quoi une vingtaine d'années à ce moment-là Oui. Okay. J'ai à peu près euh, 23 ans, 24 mm -hmm. ans. Euh, je tombe face à un professeur oui. dont je vais dédier un film, à qui je vais dédier un film, euh, Eduardo Gallegos, okay. qui me fait découvrir le, le cinéma français au Mexique. Je découvre Truffaut. Godard, Chabrol, Maurice Pialat, au Mexique. Ah oui, c'est vrai, ça, ça me donne l'occasion de dire que j'ai déjà été en contact avec des Sud-Américains très cinéphiles et ils sont particulièrement orientés vers le, la nouvelle vague française oui. et le néoralisme italien. Quoi. Vraiment, oui, le cinéma européen, c'est leur, leur cam. Quoi. Oui, et, oui. Ils le connaissent mieux que nous, en fait, pour tout vous dire. Alors en même temps, euh, on va pas non plus se mentir, quand on refait un petit peu l'histoire du cinéma, je pense que ce qui a, dans les années 60 et 70, passé outre le cinéma européen, il euh, n'y a pas non plus. Euh... Oui. Voilà. Ouais, tu veux dire qu'il y a pas grand-chose de bon, il y a pas, bon, bah, y a pas dans le... si si, il y a des choses de bon il y a pas de y a pas d'équivalent. C'est quand même ah, monumental. Oui, ce oui alors a dans les années 70. Bon, là, ce sera un débat mais il euh, y a quand même un grand cinéma américain dans les années 70 quand oui. Même, oui hormis indépendant, de... voilà. hormis en cinéma américain effectivement, en voilà. le cinéma américain. En fait, le cinéma comment dire, le cinéma asiatique ou le cinéma africain oui. n'a pas le euh, Oui, c'est pas passé grand-chose à ce moment-là Dans les années 70, ouais, ouais, a vraiment ouais. des monuments français C'est vrai en tout cas ça, ça a révolutionné vraiment le cinéma quoi. Donc, ce, ce, ce gars-là t'initie, ce professeur t'initie en fait à ces films-là bah, Il me fait découvrir en fait ce, ce qui va s'avérer pour moi être une révélation. Ouais. Cyrano de Bergerac en espagnol. Mm -hmm. J'avais déjà entendu parler de Gérard Depardieu. Ouais. Mais euh, Gérard Depardieu doublé par une voix mexicaine, c'est quelque chose. Ah oui, oui, c'est quelque chose. <rire> <ouais>. <rire> ah oui, ils font partie de ces, ces pays où ils doublent tout, c'est ça au... Ils où doublaient, oui. Alors, c'était un doublage qui était fait depuis, depuis l'Espagne. Donc, <laughs> ils ont des accents différents. Ouais, mais, ouais, ouais. Euh, D'accord. Euh, et comment dire, au départ, tu es. Donc c'est juste de Tu es, On te dirige. Tu n'as pas la volonté encore de faire des non. films à ce moment-là. Alors quelle a été la suite finalement Tu restes au Mexique combien, combien de temps Je reste au Mexique pendant quatre ans. Mm -hmm. euh, je découvre que j'ai le choix à un moment donné où, où j'essaye d'évoluer vers euh, mm -hmm. la telenovelas. Ouais. Et à ce moment-là, j'aurais normalement fait le cheminement que font les acteurs de Plus Belle la Vie. Ouais. C'est-à-dire que c'est une série qui a commencé à 20 ans, il y a 10 ans, ou 15 ans, je ne sais plus. Mm -hmm. Et euh, ça a un confort matériel, mais euh, malheureusement, je pense qu'en termes d'exploration de, artistique, c'est très, très limité. Mm -hmm. euh, c'est une contrepartie où on choisit le confort euh, matériel, mais à ce moment-là, on abdique oui. sur euh, la possibilité d'aller euh, creuser, euh, développer euh, okay. une exigence artistique. Ouais, ouais. Ou sinon, euh, on prend l'autre chemin. J'ai pris l'autre chemin. D'accord. Sachant que les telenovelas c'est encore pire que Plus Belle la Vie. <rire> <Plus>. <rire> oui. voilà. Je sais parce que ça, ça passe dans certains pays. En Italie, voilà. par exemple, on envoie des euh, oui. télénovelas. Alors, la suite de ton parcours, c'est quoi euh, Géographiquement, déjà Alors, on, géographiquement. On est perdu, le... là, tu Alors, sais partout. Oui. Quoi. Géographiquement, après le Mexique, voyant qu'il n'y a pas de débouché réel euh, hormis la telenovelas ouais. à laquelle je ne veux pas me dévier, je. Euh... Je décide de rentrer en France euh, et, euh, et je pars peu de temps après en Italie pour mm -hmm. parfaire en fait euh, mon instruction cinématographique et actorale. Donc je pars à Naples euh, où je m'installe où j'apprends la langue et je découvre ça. le théâtre de rue. Euh, à mon retour de Naples, je, je sors le, avec mon frère le premier court métrage qui s'appelle Stavolta en 2007, mm -hmm. qui fait euh, qui est assez tonitruant puisqu'il fait quand même euh, beaucoup de il fait Beaucoup de festivals, il fait beaucoup de controverses. Ah oui, oui, oui. oui. Il fait beaucoup. Même, même, euh, j'allais dire, on a, on a des interviews du Texas pour, pour ce film là. Ah oui, oui c'est fou. Oui, mais alors, mais ce qui est intéressant de savoir, parce qu'on est, on est suivi par pas mal de jeunes, et je suis persuadé que parmi ces jeunes, tu as toujours 2-3% qui rêvent de faire du cinéma, oui. qui ont même cet objectif. Comment vous avez pu euh, trouver un peu le budget euh, Combien ça vous a coûté Enfin, des choses très, très alors, concrètes, quoi. Je c'est quelque chose qui revient souvent. Ouais. Voilà, la, la création cinématographique, euh, j'ai écouté une interview de, de Jean-Pierre Jeunet qui mmh. expliquait un petit peu aujourd'hui euh, pourquoi, comment faire un film. Mmh. Nous, on est passé outre tout cela parce qu'on s'est vite rendu compte, euh, avec mon frère à l'époque, que personne ne financerait un film aussi violent, euh, avec un sarcasme, on va dire, euh, exacerbé. Oui. Donc, on a dû vite euh, développer des armes qui consistent à trouver des compétences à moindre coût, euh, des individus intéressés euh, par ce genre de projet. Il faut se rendre compte aussi euh, que tout ce qui est de l'ordre du publicitaire, de l'institutionnel, de l'alimentaire, ça rapporte. Ouais. Mais ça ne rapporte nullement artistiquement parlant. Ouais, Ces gens-là euh, <laughs> savent qu'il n'y a pas de jus artistique là. Mm -hmm. Donc, ils vont le chercher ailleurs. Et cet ailleurs-là est généralement représenté par des courts-métrages avec un budget zéro. Oui. oui. Mais tout est dans l'histoire, dans le scénario, dans le jeu dans ce qui est proposé. D'accord. Mais on se retrouve là. Vous aviez, vous aviez peu de moyens, mais vous avez quand même réussi à faire un truc qui techniquement était un peu tenait le coup ou ah c'était oui, oui, vraiment. Oui. Non, non, à Si, si on le regarde aujourd'hui, je pense qu'il ah ouais. non seulement il tient le coup, il a un storyboard, il a, il est sur des plans séquences qui sont calibrés euh, au millimètre. Euh, je pense que c'est un film qui euh, ne ne porte absolument pas. Euh, l'état de son budget. D'accord. Okay, bah, C'est-à-dire euh... que c'est une réussite, au moins technique en tout cas. Quoi. Bah, ça a été une réussite technique, ça a été une réussite en festival. Euh, on a même eu, le... en l'occurrence, le directeur qui nous a dit pendant plein festival, on peut pas vous donner le premier prix parce que votre film a... incite à la violence. Je me rappelle, c'était Philippe Lelouche, tiens, pour le mentionner. <laughs> ouais, au festival de Damari marie en 2007 ou 2008. Ok. Oui. Et quelle en était l'histoire, en quelques mots Alors l'histoire, c'est deux individus qui, finalement, séquestrent une personne dans le coffre de leur voiture. Mm -hmm. Et on se rendra compte, alors je peux dévoiler la fin, le film a 10 ans. Ouais, etc. Va, alors, euh, ou alors... Bah, on dévoile pas il, la fin. Bah si, mais euh, si ceux qui sont curieux, tout de même, euh, attendez, euh, on pourra peut-être mettre un lien vers le film s'il existe sur Internet, oui, oui, bien sûr. Très ouais. bien, bon, bah, bouchez-vous les oreilles deux minutes si vous êtes curieux. Mais moi, je veux voilà. savoir tout de suite. <laughs> D'accord. Alors le... le en fait, l'enjeu fait consiste à savoir qui est dans le coffre. Ah, euh, d'accord. Alors, si c'est un règlement de compte, nous, on a présenté ce film-là comme un règlement de compte de mafieux napolitains, puisque mm -hmm. le film est en italien. Euh, et euh, on va vite s'en rendre compte qu'en fait, c'est très simplement le futur marié qui a séquestré sa femme pour pouvoir euh, la marier de force. Ah, d'accord. Voilà. Avec, avec toute la, on va dire, la, euh, le sarcasme, la violence. Et il euh, y a aussi une, euh, une ironie, on va dire, qui aujourd'hui ne passerait absolument pas. Aujourd'hui, c'est un film qui ne pas. J'ai beaucoup de films qui ne peuvent plus passer aujourd'hui. Ah oui, donc en 10 ans, t'as as vu quand même cette... Ah, complètement. Ce changement, quoi. Complètement. Ouais. Moi, je pense que j'ai des films qui sont beaucoup plus durs. Je crois que le film le plus dur que j'ai fait, c'est Les Codes. Les Codes Oui, il est en français. Okay. Et il a d'ailleurs été évoqué lors de mon procès pour, euh, pour Chameau. Ah, d'accord, oui, on, on, on va y arriver. Mais effectivement, ils ont utilisé euh, un autre... Euh, oui. Pour euh, augmenter la charge, quoi ça a, été, ça a été opposé à un des témoins. Euh, j'avais un des témoins qui était venu pour mon procès. Bon, Qu'avait-il de particulier ce film En quoi était-il borderline Alors, un de mes personnages euh, vocifère ou euh, des. Voilà, des. Alors, si c'est des insultes ou des caractères. À, on va ouais. dire des injures raciales. D'accord. Dans ouais. le terme juridique. Oui, oui. Euh, et euh, à ma plus grande stupéfaction aujourd'hui, euh, j'avais un avocat qui pouvait extirper les paroles d'un personnage. Pour les, pour les exposer à un témoin en dehors du contexte fiction et cinématographique, ce qui m'avait atterré. Oui. Mais euh, <laughs> j'étais. Euh... Oui, oui. C'est-à-dire que le, les tribunaux français aujourd'hui cassent totalement les règles. De, de ce qui est autorisé ou pas euh, ben dans je... l'art quoi c'est-à-dire qu'en fait euh, ben que je me que... suis posé la question oui. de savoir aujourd'hui euh, si quelque part implicitement on n'était pas en train de me demander ce qu'un personnage doit dire peut dire ou ne devrait pas dire un oui, personnage oui oui, oui c'est ça ça ouais. tu peux on en arrive au point tu peux même plus mettre en scène un personnage raciste en est disant, ça. Mais il est raciste, il ne peut rien en fait. S'il si pense ça des Noirs ou des Arabes, il le dit quoi. C'est un personnage. J'allais dire, mais la donne du. Je pense que le mot raciste, c'est effectivement l'anathème le, le plus puissant puisque oui. il fut un temps. Moi, je le reprends souvent. Mes parents ont connu l'Union soviétique. Mm -hmm. L'Union soviétique, on chassait les capitalistes. Aux États-Unis, on chassait les communistes. Ouais. L'Europe occidentale chasse les racistes. C'est ouais. devenu une chasse aux sorcières. Ce mot-là représente. Alors, bon, ça me fait souvent rire parce que mmh. j'allais dire, moi, je parle cinq langues. Euh, je suis fils d'immigré, d'origine arménienne. Je suis marié à une mexicaine. J'ai voyagé sur tous les continents et j'explore le monde. Ouais. Alors, me faire qualifier de raciste par un petit procureur qui a jamais dépassé le bassin parisien, c'est un, me... un peu vache. Ouais, <laughs> c'est un peu vache. C'est un peu gros. Ouais. Mais tu as raison de d'insister là-dessus, c'est-à-dire que parmi toutes les étiquettes les plus, euh, les plus sinistres aujourd'hui, être taxé de raciste, il y a, y a pas pire. Oui, c'est ça. ça ce On a la thème disqualifié, en gros. Voilà, exactement. Voilà. Ça vous évite de déployer vos armes intellectuelles pour prouver, corroborer ce que vous avancez. Mm -hmm. Raciste, c'est bon. Ouais. C'est de côté. Et donc, tu, tu as eu cette première expérience à Naples. Tu as commencé à sortir un film, puis d'autres. Oui. En fait, ça s'est fait progressivement. Tu t'es dit, je vais en faire ma vie. Euh, comment tu. En enfin, fait, là, j'ai une question un peu moins technique, mais comment oui. comment vis-tu en fait Est-ce que tu vis tes films Est-ce que tu te débrouilles Comment ça s'est passé Parce que tes films ont quand même une gueule. Vous verrez dans les liens que je vous envoie. Euh, ok, c'est peut-être pas exactement la perfection des films hollywoodiens, mais enfin, ce ne sont pas du tout des films amateurs et pourtant tu t'autoproduis en général. Ouais. Donc, quelle est ta technique en fait Aujourd'hui, je pense que le. C'est effectivement ce qu'on a. C'est une peur qui me semble légitime chez beaucoup de cinéastes et acteurs qui, en fait, quand ils entendent de petits budgets, euh, l'associent à une médiocrité photographique. Mm -hmm. C'est une erreur, à mon avis. C'est une erreur, mais c'est une erreur de débutant. D'accord. Euh, Aujourd'hui, vous avez. Euh techniquement, les moyens d'élaborer des films supérieurs à ce qu'on a connu avec le 35 mm euh, il y a 30 ans. oui Parce qu'il y a plus le coût de la pellicule, parce qu'on a dépassé certaines, techniquement. Le jus, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est plus du tout dans la technique qui est assumée, avérée et calibrée. Mmh. Le jus est dans la teneur, et Dans la substance des films qu'on vous propose, qui est généralement nul, oui, est <laughs> voilà. ça, est ça, mais ouais. très bien filmé. Ouais, donc, ouais, je ouais. sais pas si vous voyez là. Alors, <laughs> moi, comment j'y arrive Bon, moi, je suis quand même quelqu'un qui est qui travaille avec des gens qui ont des compétences photographiques. Euh, mon frère est un très grand chef opérateur, ouais. Donc, euh, quand j'ai des soucis à résoudre, je lui demande conseil. Et puis, je suis entouré de gens qui sont compétents techniquement. Mmh. Et puis, en fait, à force de travailler, tu comme j'ai dit tout à l'heure, tu es autodidacte, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous savez, avec des tutoriels même sur euh, sur internet, vous pouvez euh, réussir à faire des super montages, à savoir comment éclairer une scène, c'est-à-dire comment disposer les éclairages pour que ça ait une gueule cinéma. Tout à Et fait. Voilà. Hein. Quand on a vu mille films, oui. on commence à avoir un petit peu de, de bagage. Mmh, tout à fait. Ouais. Quand vous quand vous, moi, bon, pas la compétence pour pouvoir juger ce qui est un bon vin ou un mauvais vin, mais quelqu'un qui a bu 1000 euh, ouais. vins, il saura déterminer le médiocre du, du de l'excellent. C'est ça. Ouais. As-tu déjà fait des longs-métrages ou as-tu ce projet J'ai ce projet, mmh. oui. Et euh, la différence, euh, elle est quand même... Euh, la distribution peut-être, c'est dur après de distribuer le film. La distribution, la distribution et la diffusion d'un film, euh, finalement, conditionnent sa production. Donc euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire Je suis absolument... Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire Je suis atterré par le, par le, par le fait qu'effectivement on produit et on diffuse des œuvres d'une médiocrité absolument abyssale. Mmh. Euh, pourquoi Mais Parce qu'elles se diffusent en masse. Si les gens ne la consommaient pas, il n'y aurait pas ce genre de production. Et vous avez des films d'une grande qualité euh, qui malheureusement ne voient, ne voient pas le jour. Mmh. Ils ont été produits. Ils ont été diffusés dans trois quatre salles. Ah oui oui, oui. oui oui. Mais comme les gens ne vont pas les voir, effectivement le distributeur il va pas se mettre une balle dans le pied. Ouais, il ouais. arrête le. Ça t'arrive des fois toi en festival de découvrir des vrais talents et tout, oui. des gens qui sont tués dans l'œuf parce qu'ils ne peuvent pas. Moi bah, je pense que d'ailleurs la majeure partie des artistes sont tués dans l'œuf. Mmh. Ça c'est c'est mon constat. Je pense qu'aujourd'hui un artiste euh, et pas que cinématographique, il meurt dans une piole oui. euh, parisienne. Euh, avec des scénarios euh, qu'on ne découvrira jamais. Parce que justement, euh, ceux qui sont censés jouer le rôle de relais mmh. ne le jouent plus pour les mêmes raisons. Ouais. J'allais okay. dire, qu'est-ce qui fait qu'il y ait des lardons aujourd'hui à Leclerc à 50 centimes C'est que les gens les consomment. Hein, alors ouais. qu'on sait que c'est cancérigène, qu'on va en crever, vrai. que c'est. Il m'est arrivé d'en acheter. Je vais pas vous mentir. J'aime bien les lardons. J'ai pas trop de sous. Bon, là, je me sens tout petit là, tout à coup. <laughs> non, mais bon, c'est une, c'est une non, mauvaise référence. Mais, oui, mais je vois ce que tu veux dire, effectivement. Euh, à, à mesure que tu, ben, que tu as fait du cinéma ton métier, oui. est-ce que tu as amélioré ta culture cinématographique Oui. Et euh, voilà, tu as cherché des horizons. C'est-à-dire, ça, bah, je veux fait. faire ça, je veux faire ça. Est-ce que tu as des références, des films, des réalisateurs qui, qu en particulier oui, 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 oui. euh... oh, j'en ai beaucoup, mais. Oui. Euh... Les gens me disent, est-ce que tu peux me citer tes 10 films préférés Je vais dire, je ne pourrais pas 10. Je peux, je peux que commencer par 100. <laughs> oui. Voilà, il y en a trop. Il ouais, ouais, y en a ouais, ouais. trop, et puis ce serait les réduire. Moi, j'ai d'abord déjà fait toute la va nouvelle vague française. Donc, mm -hmm. j'ai beaucoup regardé les films de Maurice Piala. J'ai beaucoup euh, regardé bon, tout ce qui est euh, Truffaut, Godard, Chabrol. J'ai regardé aussi les Claude Sautel, les Claude oui. Miller. Bon, j'ai euh, essayé de voir un petit peu. Euh, de découvrir, on va dire tout ce qui est un petit peu la quintessence du cinéma français, mm -hmm. euh, même un peu plus en amont et puis un petit peu plus après euh, dans les années qui ont suivi. Euh, j'ai beaucoup plus accroché sur Truffaut pour d'autres raisons. Oui, moi aussi. Je hein. euh, choisir entre Truffaut ouais. et Godard, il y a pas à choisir là, pour moi. Pour moi aussi, ouais. mais je pense que Godard avait son apport dans la déconstruction. C'est ça. Ouais. Bon, faut ouais. les voir. De... Après, il y a le cinéma italien. Moi, j'ai regardé beaucoup des films de Visconti, j'ai regardé ah, oui. le Comencini, j'ai regardé. Je suis pas très Fellini, mais mm. voilà. Euh... Il y a Vittorio De Sica, oui. euh, mais après j'ai même continué avec les derniers Nanni Moretti, euh, j'ai Sergio Castellito que j'ai beaucoup aimé. Ouais, ça continue de survivre le cinéma italien, tant bien que mal. mais Oui, ouais. oui. mais je pense qu'en fait, pour ne pas faire long sur mes références cinématographiques, je pense qu'on ne peut pas faire du cinéma sans avoir de références cinématographiques. Oui, oui, oui. Ça Et devient difficile. Oui. On doit le faire en parallèle. Mm -hmm. On ne doit, le, le, doit pas étudier toute la bibliothèque pour commencer à le faire. Mm -hmm. Mais moi, je suis quelqu'un qui regarde, je ne sais pas, je peux regarder deux films par jour, hein, la nuit. Ouais, ouais. Voilà. ouais tu es, es ciné ciné-bord. Oui, 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 oui <laughs> je suis. Euh, mais ça devient de plus en plus dur pour moi de regarder aujourd'hui. Des films actuels, ouais. Des films actuels, ça devient même. Je suis obligé de revenir au classique. Mmh. Bah, J'ai vu un certain nombre de tes courts-métrages, ou au moins des extraits parfois. Euh, tu aimes quand même le spectacle C'est-à-dire en fait. Euh, il y a un côté, parfois, on sent, on sent très bien que le cinéma américain t'influence au moins dans sa rythmique, tu vois. Tout à fait. Euh, tu vois, as oui, fait oui. des films de genre et tout. Euh, oui. Et ça, je pense que tu as pas des réalisateurs américains des années 80, 90 qui oh, t'ont oh, influencé, on tous, quoi. On a tous. Euh, moi, je reprends souvent la. Je t'ai connu à travers la critique, surtout de Silence de Scorsese. Ah oui, c'est vrai. Alors mmh. moi, j'ai vu tous les films de Scorsese. Je trouve que c'est un réalisateur incroyable, mmh. incroyable. Alors notamment par rapport, effectivement, à, à, ce, à ce rythme. Oh oui, oui, c'est fou. Il n'y a, a, a pas un moment de répit. On est là pendant deux heures on est, et on veut, on veut courir avec lui. On court un sprint pendant deux heures avec ça La première fois que j'ai vu Les Affranchis, mais ça a été un, un choc. Voilà. Quoi. Je me suis dit, mais quel film incroyable! Ouais, ouais. Ouais. Après, on a eu effectivement euh, dans le début des années 90 Tarantino qui est oui, arrivé. C'est vrai. Je trouve que Tarantino. Bon, moi, je, sans vouloir critiquer Tarantino, je, ça s'est quand même estompé. Voilà, pour moi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, mais des références américaines. Bon, moi, j'ai aussi. Euh, voilà, on a. Je reprends souvent le Casavets. Ah oui, c'est oui, vrai, vrai, on en parle peu, mais Casavets, ouais. euh, effectivement. Bon, c'est. Euh... Mais il faut pas. Se... Enfin, je ne me cantonne pas à l'origine du cinéma. Mm. Je suis toujours euh... optimiste pour découvrir. J'ai découvert le cinéma roumain. J'ai ah trouvé oui. fantastique. Ah ouais. Alors j'ai découvert, c'était 2 h 8 à l'est de Bucarest, j'ai trouvé ça incroyable. Euh, des, des films. Euh... Oui, oui, tout à fait. En fait, j'ai vu quelques films roumains, notamment du début des années 2000, et oui. ça fait penser un peu au cinéma italien des années 70. des films très sociaux. Oui. Ça parle de la société, euh, des, des gens pauvres, après l'effondrement le, de Ceausescu, tout ça. Et oui, oui. Il y a vraiment des très bons films, quoi. Euh, il y en a un notamment que je vous conseille, je vous mettrai un lien vers le film, c'est Philanthropia. Euh, c'est un film qui a été réalisé au début des années, des années 2000, on dirait. Euh, on dirait du dino-risi, en fait. D'accord. Euh... Ouais, mais... ah, je ne connais pas. Je connais a... dino-risi, mais je ne connais pas le ouais. philanthropien. Ouais, te... Te... On regardera ensemble. Voilà, c'est l'occasion, quoi. Ouais. Mais effectivement, il y a des cinématographies. Par exemple, en ce moment, euh, on... j'ai un ami qui me parle vachement du cinéma russe. Et oui. Alors, il y a quelques films qui filtrent via le Festival de Cannes, mais il y a une production incroyable en Russie. Oui. Et en fait, on n'est pas du tout au courant. Tous ces films ne sont pas traduits. Oui. Mais, euh, mais ils sont, ils sont des sont... films qui tiennent la route, quoi. Mais c'est surtout, films... surtout des pays qui sont dans un âge d'or. Oui, c'est vrai. C'est lié, moi je pense aussi, quand je regarde le cinéma d'Amérique latine euh, et que je vois en fait le cinéma mexicain énormément, le cinéma argentin énormément. Mmh. J'en parlais hier d'ailleurs du cinéma argentin. Euh, ils ont, ils vivent un âge d'or, contrairement à nous, parce qu'ils ne sont pas tombés dans l'ère euh, bourgeoise industrielle. Mmh. Je pense aussi que malheureusement, euh, poser, il faut qu'on se pose cette question. Moi je me la pose euh, à travers ma famille, mes proches. Pourquoi va-t-on au cinéma? Quand je pose cette question-là autour de moi, neuf fois sur dix, c'est euh, moi Gérard, écoute, je travaille huit heures par jour, pour ne pas dire 12 heures, je n'ai pas envie de réfléchir, mmh. euh, j'ai envie de passer du bon temps. Je la fais courte. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que passer du bon temps C'est effectivement, a priori, ne pas rentrer dans quelque chose de profond, ne pas chercher à, à disséquer une œuvre, être toujours dans une espèce de légèreté euh, qui permet qui ne permet pas finalement euh, cette substance euh, mmh. qu'on cherche tous quand on lit un livre quand on cherche quelque chose de bah, en fait de substantiel mmh. euh, c'est une réalité c'est une réalité qui fait que finalement on n'a pas un cinéma on a on a des œuvres de c'est même pas des œuvres on a un produit de divertissement oui. je n'appelle pas ça du cinéma moi mmh. Ben, par rapport à ce que tu dis, euh, le, effectivement, ce sont des pays qui sont en forme, les pays de l'Est, l'Europe ouais. centrale. Et euh, j'en parlais hier avec, euh, avec euh, un ami que je te présenterai d'ailleurs, je pense que vous entendre, entendriez bien. C'est Olivier Piacentini. On a fait une émission spéciale Pasolini. Oui. Et la conclusion. Pasolini. On a, a envie de le, le mentionner. Oui, oui, oui. C'est quand même le maître. Oui, oui, oui. Ouais. C'est hein. oui, 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 un, un, un grand cinéaste. Mais surtout, ce qu'on se disait, c'est que les films de Pasolini sont quand même très. Très singulier, parfois très bizarre. Oui. Et on se disait quand même, à une époque, l'Europe a pu produire ces films-là. Et euh, donc, ce, ce, cet ami dont je te parle, Pierre Santini, est également un spécialiste d'économie. Et en fait, il m'a il donné une explication qui est très simple. Il m'a dit C'est simple, Daniel, à, à l'époque, on avait de l'argent. Et donc, en fait, on pouvait donner à un réalisateur de l'argent pour qu'il le perde en tentant des choses. Oui. Des fois, il faisait des films, ça ratait. Ils étaient même parfois mauvais, les films. Ou même, ils étaient bien, mais personne n'allait les voir. Mais on le faisait pour l'amour de l'art. Et, et dans des pays où maintenant l'économie commence à se relever, comme, je sais pas, la Pologne ou la Russie, euh, parce que Poutine fait un gros boulot là-dessus. Eh ben, euh, on, on a des films, tout à coup, des vraiment, des films d'auteur, comme il pouvait oui. y en avoir dans les années 70, 80. Donc finalement, tout ça est lié, en fait. Cette, non, mais étroitement lié. La chute économique de la France implique qu'aujourd'hui, on va pas donner euh, du fric à un artiste pour faire des grandes œuvres. Tout à l'heure, tu parlais de Visconti. Il y a des films de Visconti, mais impossible impossibles à produire aujourd'hui. T'imagines un film de 4 heures sur Louis II de Bavière. Mais qui va produire <laughs> ça aujourd'hui <laughs> Et d'autant plus que quand tu mentionnes Visconti, euh, moi, je. je, je... Je prends souvent pour, ex pour exemple les damnés mmh. euh, parce que en fait euh, on a euh, ce qui nous arrive. C'est un film qui est visionnaire. Mmh. On a aussi euh, Rocco et ses frères. Oui, euh, vrai. Quand on a par exemple, alors j'allais dire on a non, non le mieux qu'on a pardon c'est je fais je dis une bêtise c'est le Guépard le Guépard où on a en fait cette nouvelle caste de révolutionnaires qui voulait chasser l'ancienne Oui. et qui finalement euh, réussit à le faire mais euh, N'amènera que les ruines, hein. alors qu'elle préconisait euh, la révolution par le vrai. haut, elle nous tire effectivement par le bas. Moi, je pense qu'on assiste en fait à l'effondrement de la pensée, de la culture, globalement, et que c'est parallèle à l'économie. Ce n'est oui. pas l'un et l'autre individuellement. Les deux se tiennent. Hein. Exactement, les deux se tiennent. Ouais. Oui, vois, on pourrait. Euh, y a, tous les films de Visconti ont un intérêt euh, au moins cinématographique, mais euh, Le Guépard et Les damnés sont intéressants. D'ailleurs, pour mon public, je conseille Les damnés pas seulement parce que c'est un. Il y a une imagerie, évidemment, ça se passe dans l'Allemagne la, pré-nazi, oui. juste avant le nazisme, mais pendant aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, on voit dans le film que les, euh, les bourgeois s'adaptent et deviennent nazis, non pas par conviction, oui. mais parce qu'ils sentent que c'est ce qui est en train de gagner. Voilà. voilà. Ouais. Et, et c'est un peu la même chose en France. C'est-à-dire qu'on on a des gens, des grands bourgeois qui, qui vont vers le cosmopolitisme parce que c'est euh, la mode politique. Et c'est comme ça qu'on survit en tant, que, tant que riche. Tout à fait, c'est même par, euh, par, euh, par commodité, par inertie. C'est ça, ouais. ouais. Ce n'est absolument pas par conviction. Oui, c'est ça, c'est bah, Parce qu que est... la, la seule conviction qui compte, c'est l'inertie et la commodité. Oui, <laughs> en gros. Tout à fait, tout à fait, ouais. Non, tu voulais... non, 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 non. En fait, ce que je voulais savoir, c'est comment tu as politisé petit à petit ton propos Est-ce que c'est venu un peu comme une fleur, comme si tu dis, tiens, je vais tenter quelque chose Ou ça a été un processus conscient Tu dis, non, là, j'ai envie de dire quelque chose, là. Alors c'est une question que, que j'ai abordée aussi avec, euh, avec Renaud Camus, mm -hmm. que j'ai rencontré. En fait, je n'ai pas politisé mon propos, je suis ramené à mon époque. C'est-à-dire que euh, j'ai des films qui sont effectivement euh, beaucoup plus intimistes, beaucoup plus poétiques, beaucoup plus portés sur la transmission et, euh, des générations, mais qui n'ont effectivement pas le retentissement. Des œuvres politiques, parce que l'époque politique nous convoque. Mmh. Je suis obligé de parler euh, de l'éléphant qui est sur la table. Oui. Euh, parce que même quand je n'en parle pas, il est là. Je comprends. En fait, hein. c'est du UNESCO. C'est comme si on avait une espèce d'énorme éléphant ici entre nous deux et on faisait comme si on ne le voyait pas. Ouais, ouais. Il est là. Euh, et tout le monde le voit. Donc, je suis ramené. À... D'ailleurs, ça a été une question qui m'a été pos posée par le. À l'époque, par le procureur de la République qui me demandait Mais est-ce que vous faites du cinéma politique Je leur ai euh, exprimé ma pensée qui était Je ne fais pas du cinéma politique. Je fais un cinéma qui aborde des thématiques politiques. Il y a une nuance de taille. Oui, oui, oui. Euh, Je comprends la démarche. En fait, tu as un sursaut moral qui consistait à te dire bah, C'est bien beau de faire des films de genre, des thrillers, des polars, de l'humour, mais j'ai aussi envie de parler de mon époque, en fait. Et mon euh, époque, c'est ça. Mon époque, c'est ça. Mm -hmm. Mon époque parle effectivement du. Euh, le cinéma. Ben de toute façon, j'allais dire, quand euh, vous avez du cinéma politique qui ne prétend pas l'être, quand vous avez toute cette propagande qui est. Euh, là, moi, j'étudie je, 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 énormément la, la propagande au cinéma. La propagande euh, aujourd'hui en France qui est opérée, c'est la propagande pro-métissage. C'est la propagande euh, pro-immigration. J'ai développé des conférences à ce sujet. Ah oui Oui, en expliquant qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui. Vous n'avez na que des films qui rendent hommages qui font des ode à l'immigration. Oui, oui. euh, il peut y en avoir, je ne suis pas contre. Mais l'inverse n'est pas possible. C'est ça, ouais. On n'en a pas. Et, et, et quand il y a une œuvre qui viendrait éventuellement contester euh, cette ode unilatérale, elle se voit écartée, censurée, intimidée. Mmh. Ça pose un problème. C'est qu'on n'a qu'un son de cloche. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si le film était sorti à l'époque où tu es passé devant le tribunal, mais. Euh... On aurait pu dire au procureur, mais alors, qu'est-ce que vous pensez du film euh, qui tourne autour de l'histoire de Cédric Héroux Tu sais, ce, ce mec mais, qui, a, qui fait passer les migrants d'Italie à ça France. Mais je, moi, ça, c'est pas politique par hasard Alors, moi, j'explique à, euh, à travers un constat, une analyse, qui est qu'il y a deux possibilités. Mm -hmm. Vous avez Cédric Héroux. Euh, Cédric Héroux, il a beau être convoqué par la justice pour y répondre. Néanmoins, il est conforté. Et appuyé par ce qu'on appellera toute l'intelligentsia parisienne, et il termine au Festival de Cannes et à la Montée des Marches. Et vous avez Génération Identitaire, hein, qui va développer des banderoles dans des locaux, et à ce moment-là, vous êtes sûr qu'eux, ils ne vont pas défiler au Festival ouais. de Cannes. Ouais. Donc, il faut poser les parallèles pour voir. Si... En fait, on n'est plus dans la mesure, hein. on est dans l'anathème. Il ouais. y a les bons, il y a les mauvais. Et je pense que dans les deux. Moi, je... à la limite, Cédric Héroux, c'est son. Mm -hmm. Je pense qu'il a au moins la cohérence de. Si j'ai bien compris, au moins d'héberger ce qu'il. Euh, Je crois, ouais. Voilà. Oui. Au moins, il a cette cohérence-là. Il ne fait là. pas semblant, ouais. Il fait pas semblant. On peut lui reconnaître ça. Ouais. Mais on a tout un tas d'individus qui, à tort et à travers, préconisent aux autres de recevoir euh, quand ils font tout pour s'en émanciper individuellement. Mmh. Ça pose un véritable problème ça, de cohérence. C'est casse-pied. Ouais. Oui, bah c'est le véritable problème. Mmh. Si à la limite, on avait des gens qui voulaient. Euh, Comment dire ce, ce, Finalement, euh, s'appliquer toutes ces méthodes et ces bonnes intentions qu'ils préconisent aux autres, ça pourrait remettre en question oui. euh, la balance dans le débat. Oui. Mais on voit que c'est pas le cas. On voit que c'est n'est pas le cas. Moi, quand j'entends ces artistes, euh, euh, évidemment, je suis en porte-à-faux parce que je, je me dis qu'on a quand même 5 millions de pauvres. Donc, il oui. euh, y a une question aussi de priorité. Et puis, je me dis que si c'était vraiment le cas et qu'on voulait les accueillir, ils ne seraient pas à Porte de la Chapelle. Oui. Donc... Je pose ça là je ne, je ne dis pas que le migrant qui vient ici il vient dans le but de détruire conquérir et d'envahir par la force. pas c'est pas un constat aussi comment dire aussi maniqué aussi simpliste c'est pas aussi simpliste, ouais. est pas aussi simpliste. Mmh. mais on a fait, en fait on est, on est face à des gens qui sont irresponsables mmh. On c'est est, est le propre le propre le prop de l'infantilisation de cette société ouais. Et donc quel est le chemin qui t'a amené, amené à chameau Est-ce que tu as eu d'autres films avant tu vas parler de l'école tout à l'heure? Ça a été quoi Il y a oui, quelques mais... films comme ça qu'on ou oui, oui, est en pense identifier que... non, non. combien à peu près. Alors je pense que par exemple euh, les codes, mm -hmm. euh, Stavolta, je pense que Batman. Je ne sais pas s'il est en espagnol, mais euh, aujourd'hui. Batman. 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 Comme le film Batman. Ah, Batman. En anglais, oui, c'est okay. très simple. C'est un gitan okay. euh, qui voit débarquer. Euh, euh, quelque chose qui ressemble à Batman, mais ce ouais. n'est pas Batman. Et euh, il le prend pour Batman et il lui règle son compte. Vous regardez, c'est assez ironique. Okay. Mais ça passe pas aujourd'hui pour une raison euh, particulière. Si je, je te fais suivre le film. Okay. Tu vas vite comprendre. Ça mais euh, Ensuite, les codes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je ne sais pas. Euh, Après, ça mais, peut être des... des... J'ai ouais. fait des films à l'étranger qui m'ont valu des problèmes aussi. Hein. Ah oui. oui. J'ai fait un film euh, qui s'appelle euh, El Casting. Ouais. Euh, qui est en fait euh, l'organisation industrielle de l'école des telenovelas où j'ai étudié? Comment on essayait de retrouver, on essayait d'inscrire les plus belles petites fleurs euh, mexicaines de 15-16 ans euh, pour les introduire dans ce qui s'avéra en fait, être une prostitution industrielle à l'échelle des telenovelas? Quoi. Ok, bon. donc en, écha en échange. Euh... On les, jouer rendu, dans, euh... non, on les fait jouer dans, dans certaines séries, ah oui, 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 ouais, et puis ouais. euh, voilà ouais. quoi. Mais là, c'est sans commune mesure avec ce qu'on peut connaître ici. Ah oui Ah oui, oui. Ah ouais. là-bas, il y a vraiment une, un problème à ce niveau-là, quoi. Ah oui, là, c'est pas de, là, on est de loin, c'est plus du tout le MeToo et le, et le Weinstein, oui. non, non, c'est de l'ordre industriel, ce que je vous dis. Oui. Pas, et c'est pas le producteur de haut vol, c'est ouais, le ouais, petit ouais. producteur... Euh... D'accord, ouais. ouais voilà. C'est-à-dire qu'en fait, au Mexique, il n'y a peut-être pas les re recours judiciaires pour euh, crier au harcèlement, quoi que, non. que ça marche. Non. D'ailleurs, je ne crois absolument pas, moi, dans l'univers artistique. Euh, je, je le redis, comme je l'avais dit dans Deluxe, il ne peut y avoir de harcèlement sexuel là où règne en maître absolu la putasserie institutionnelle. D'accord. Jolie phrase. Bah, tu as connu ça de l'intérieur, on te fait ouais. confiance. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, en gros, les, les, les actrices qui acceptent ça, c'est consciemment euh, parce qu'elles veulent vendre leur âme pour être célèbres, en gros. Bah alors je 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 vais pas non plus il y a parfois des naïves oui, faut mais j'allais dire à 15 ans très, on n'est pas fini tu sais ah, là, là, ouais. à 15 ans etc mais attention un viol est un viol mmh. on est d'accord ah, mais tout, voilà. à, fait, tout mais, à fait mais mais la promotion canapé le, et que, mais, mais, ouais. bon, voilà mais je veux ouais. dire ça, ça date pas d'hier moi je, je ce que je, ce qui m'a été donné de voir c'est quand un producteur lève la main il y a dix filles qui font la queue il n'a pas d'intérêt à violer Mmh. Il n'a pas d'intérêt à se mettre, si vous voulez, en porte-à-faux juridiquement, légalement, alors qu'il a ça tout à fait au bout de la porte. À une heure du matin, il lève le doigt. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est un mmh. constat. Il ne s'agit pas d'épargner euh, ouais. tous ces gros ports. Euh, c'est n'est pas, pas le <laughs> jeu. Pas le, non, mais le effectivement, propos. chaque pays. Euh, bon, on digresse un peu, mais c'est amusant. Hein. Quand il y a eu l'affaire Weinstein, je me suis vachement amusé des, des réactions qu'il y a eu en Russie. Parce qu'en fait, euh, là-bas, un certain nombre de, de femmes qui passent à la télé russe oui. euh, ont dit « Mais je ne comprends pas où est le problème, en fait. » C'est-à-dire qu'elles ont eu leur rôle et elles oui. ont couché. Et alors Ah non, a... il y a un autre problème. Il y a un autre problème qui est ressorti et qui est un problème qu'on n'attendait pas ouais. et qui me semble d'autant plus intéressant que ces petites bisbilles qui accaparent le, les médias français. C'est que si on s'y intéresse de près, il euh, y a des filles qui dénoncent euh, ce phénomène-là mm -hmm. Parce qu'effectivement, elles ont subi un harcèlement et elles expliquent qu'elles ont été écartées d'un rôle principal de ce film-là et de ce réalisateur-là parce qu'elles ont renoncé. Euh, oui, ça c'est grave, quoi. Voilà. Et, 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 et malheureusement, quand elles font ça, ou heureusement peut-être, quand elles disent non, je n'ai pas été pris pour le rôle de, dans le film de Peter Jackson, etc., pour ce film-là, nous, on comprend instinctivement. Que celle qui a ah eu le oui, rôle après exact. a C'est exact. Exact. <laughs> terrible. C'est terrible. Oui, tu ah, avais fait un post Facebook et j'ai mis longtemps à le comprendre parce que c'était simple, mais ça impliquait tellement de choses oui, que c'était Mais oui, c'est terrible parce que ça, ça, ça met, met l'éclairage là où on ne voulait pas voir. Oui. C'était euh... quoi, exemple C'est pour le Seigneur des Anneaux, c'est ça Je crois que c'était pour celui-là ouais, de Peter ça, Jackson ouais. en disant qu'effectivement, elle avait tellement bien expliqué <laughs> la chose que finalement, ça mettait la lumière sur celle qui avait eu le rôle, qui avait rien demandé. Franchement, je crois qu'elle a pas fait exprès. quoi, Non, elle a pas fait exprès. Mais voilà, en fait, c'est un château de cartes qui s'écroule. Comme j'ai refusé, il y a eu quatre Planète euh, voilà. il a fait. <laughs> bon, voilà, en gros, c'est risible. Ça me rigide. fait penser à une, à une interview. Euh, tu sais, je, à une époque, ça passait sur Paris Première. Je sais même plus si cette chaîne existe encore, mais c'était très, très intéressant. Il y avait des, euh, des entretiens euh, réalisés à l'Actor Studio. Ouais. par un journaliste et c'était des entretiens d'Al Pacino, Robert oui, De Niro. Oui, enfin, ça, ça existe plus, je pense. Je crois, que ça existe plus. Mais ouais. ils, ils rediffusaient pendant dix ans. Ils ont Bien rediffusé sûr, ça. Ouais. Et j'ai tombé sur une interview de Scorsese où en fait où bah, il évoquait sa carrière, tu vois. Ouais. C'était à fois des acteurs et des réalisateurs. Et dans la salle il y avait des étudiants, donc c'était très intéressant. Imaginez être avec Scorsese dans la poser toutes les questions que vous voulez à Scorsese, c'était passionnant. Et à un moment donné il évoquait Casino. Oui. Et euh, je sais plus, le, le journaliste lui parle du casting et il dit Vous savez, Charleston était, était vraiment prête à tout pour avoir le rôle, mais vraiment prête à tout. Et puis <rire> <rire> il y a eu trois secondes, tu sais, euh. c'est-à-dire, euh, ouais, euh, ouais. bah, -ce il, il y a eu un, 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 un est... basic instinct peut-être entre Scorsese et. Mais il est taquin, hein, <laughs> Scorsese dans l'interview. Je pense qu'il joue beaucoup de, des interviews ouais. euh, pour. Explicitement semer les doutes, euh, c'est quelqu'un qui s'amuse. C'est vrai, c'est ouais, vrai. Ouais, ouais. Personnalité, il parle très vite, il, ouais, il dit beaucoup de ouais. choses. Quand je pense qu'il devait faire prêtre. Oui, oui, oui c'est bon, ça. Enfin, c'est fou. Ça. Mais ça se ressent dans ses films, si vous regardez les films de Scorsese, cette tension entre la, la, la volonté, la, oui, oui. la recherche d'absolu et en même temps, euh, un côté même païen du sexe euh, très, ouais. très, très fort. Quoi. Alors, à un moment donné, tu décides de faire un film qui s'appelle Chameau. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Gérard <laughs> Alors, Chameau, pas d'amalgame. Les gens me demandent euh, est-ce que c'est ce que tu penses vraiment, Gérard Alors, ça, c'est une question qui m'a été posée. Ouais. Est-ce que tu penses vraiment euh, Est-ce que tu es comme ça euh, euh, D'où vient cette haine J'aime beaucoup ce mot. Alors, d'abord, avant qu'on évoque le film, parce que c'est le film qui t'a amené des problèmes euh, oui. de justice, tu, voilà, qui t'a traîné dans le tribunal, euh, on va raconter un peu l'histoire. Je crois que ce qui pose problème avec Chameau, c'est pas tellement le contenu. Mais le processus de mise en scène que tu as utilisé, oui. c'est-à-dire qu'en fait, le, le film, bon, au début, il y, a une, comment dirait, il y a des plans qui évoquent des films, une dramaturgie très classique, mm -hmm. un choix de plan très classique. Comme vous pouvez voir un film au cinéma, il y a un plan d'eau d'ailleurs, qui est très beau, on suit la voiture. Oui, C'est un plan voilà. de drone. Oui. Et euh, oui, parce que monsieur est riche il a des drones. Non, 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 j'ai euh, des gens qui m'ont effectivement techniquement aidé, dont je ne veux pas mentionner le nom, tout simplement pour pas qu'ils ne soient, euh, eux, mis. Je ne pense pas qu'il puisse m'être mis au tribunal puisque j'allais ouais. dire... Mais euh, vous voyez la crainte. Euh, moi, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire « Non, j'aimerais pas que... » Parce qu'on voit mon arbre dans le jardin alors que c'est un film... Euh, ouais. voilà. Je voyez, connais, on... je connais ça. Ah, euh, bon. Alors... Bon, je plaisantais vraiment pour le drone, mais en gros, pour expliquer... Et, et très vite, le film ressemble, si vous voulez, en termes de plan... Un peu comme les vidéos d'Aldostérone, c'est-à-dire que Gérard Boyadjan, le personnage de Gérard Boyadjan, s'exprime mm -hmm. à la caméra un peu comme une vidéo YouTube. Et je pense que c'est ça qui t'a amené dans le tribunal, c'est que les mecs se sont dit Mais est-ce que c'est ce qu'ils pense ou est-ce que c'est un film fait. Alors, c'est quelque chose qui m'a été. Alors, euh, et je pense que ça démontre aussi le. Euh, je n'ai pas envie de dire la vacuité parce que le mot est trop fort, mais. Euh, les gens non, Cette mise en scène-là, mmh. c'est une mise en scène qui est calquée sur notre époque. Oui. Les gens se filment, les gens se parlent à travers la vidéo, ils exposent effectivement leurs pensées, leurs sentiments euh, de manière bourrue. Oui. Euh, et ça, c'est quelque chose qui visiblement a échappé. Euh, je n'ai pas envie de dire à toute la magistrature française, puisque je veux pas faire de mon cas un, un cas général. Mais ouais. puis doucement, ils peuvent te rappeler, on ne sait jamais. Bon, mais je suis d'ailleurs en appel dans quelques jours. Ah d'accord. Mais euh, alors, on m'a alors on m'a demandé euh, effectivement, mais cette manière-là, c'est bien vous qui vous exprimez. Je, je, je leur fais comprendre à travers deux niveaux de lecture. Alors, évidemment, je suis acteur, j'ai écrit de texte, euh, car c'est un texte qui n'est absolument pas improvisé mais euh, évidemment il est joué il est suffisamment bien joué pour qu'il ait l'air improvisé euh, mais vous avez des plans séquences qui vous normalement donnent à entendre qu'effectivement à chaque fois il y a des coupes à des moments précis je voulais pas rentrer dans, dans des détails trop trop cinématographiques pour les perdre oui. mais cette mise en scène là c'est notre époque c'est Adosterone et c'est d'autres etc. c'est ouais. un film sur un mec qui fait une vidéo genre une vidéo Youtube enfin, est ça en gros quoi. alors ouais. plus élaboré effectivement ce sentiment qui est exprimé à travers mon personnage, euh, qui est un personnage de fiction, certes limité, parce qu'on est d'accord qu'il y, y a quelque chose d'ambivalent. Oui oui, 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 oui. Mais euh, je dirais, alors, pour ma défense ou pour mon attaque, que euh, mon vocabulaire, mon lexique et ma rhétorique ne se limitent pas à cet aspect pamphlétaire et bourru. Ce qu'on ne constate pas à travers le personnage que j'interprète. Qui lui mmh. est quand même beaucoup plus vociférant, mmh. beaucoup plus rentre-dedans. Je comprends. Ouais. Euh, alors, euh, la, si la question est de savoir euh, si euh, c'est moi qui parle, je, je, je réponds souvent aux gens en disant écoutez, moi je suis un cinéaste, je suis un acteur. Est-ce que quand je tabasse dans Stavolta, cette femme que je mets dans le coffre, c'est moi qui la tabasse est-ce que dans les codes, c'est moi qui vocifère s'y faire et, 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 et euh, oui, toutes je... ces insultes On n'en sort plus. La question qui s'est posée devant le tribunal, c'est finalement, est-ce un film ou un pamphlet politique Oui, oui. Mm. Comme si c'était incompatible. Oui. Euh... Alors que ça ne l'est pas. Mm. Alors ben, après, euh... sur le contenu même, de bon, toute façon, on vous mettra un lien vers le film s'il existe toujours. Sur le il film existe. Il a été sous-titré par, euh, ah, par nos amis australiens. Ah. Oui. Ok. Bah, c'est un film où le personnage. Euh, expose son hostilité à l'islam, à l'islamisation de la France. Oui, c est, c est un, alors c'est un, un personnage, et d'ailleurs ce qui me fait rire, c'est que c'est un personnage qui, pour moi, a été construit à base d'énormément de témoignages de mes amis, de ma famille, de mes proches, de mon entourage. Ouais, c'est une synthèse, quoi. C'est une synthèse. C'est tout ce que j'ai pu entendre au dîner, c'est tout ce que j'ai pu entendre à travers des conversations d'amis, c'est tout ce que j'ai pu aussi constater en partie moi-même. Par exemple... On m'a posé la question est-ce que vous partagez les propos de votre personnage, dans le cas où ce serait un personnage Alors, euh, je leur ai dit qu'effectivement, en ce qui concerne les prix du 15e arrondissement au mètre carré et les prix de la goutte d'or, hein, euh, j'allais dire, je ne peux aller que dans le sens du personnage. Oui. C'est un constat. Mmh. Qu'est-ce qui fait que ça coûte plus cher en 15e euh... ah, Tu as quand même taquiné un peu au tribunal. Bah, au tribunal euh, comment te dire au tribunal et c'est ce que je vais hein, finalement incorporer dans, dans le djihad judiciaire je tombe des nues je tombe des nues je tombe en fait complètement je suis effaré euh, par la teneur euh, du débat euh, avec mon témoin on évoque l'empire des sens de Nagisa Ushima euh, parce que c'est un film japonais mais qui a été produit par des français et on se rend compte au bout de 30 secondes que les gens ne savent pas de quoi on parle ah oui Pourtant, des magistrats d'un certain âge, je suppose. Oui, 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 oui. Non, mais en fait, je me rends compte que je suis jugé sur des films par des gens qui n'ont aucune compétence cinématographique. Oui, oui, oui. Et, et ce qui me frappe, c'est que à ce moment-là, je comprends que je ne peux pas lutter avec mes armes. T'es désarmé, quoi. Je suis désarmé, mmh. parce que je leur parle, je leur évoque, je leur dis que l'audace est au cinéma, ce que la loi est à la magistrature. Oui, 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 oui. oui. Mais. mais... Ça sonne. Euh oui, oui, je comprends. Tu avais préparé ta ribambelle de prédécesseur en disant Mais lui, il l'a fait, lui, il l'a fait. C'est ça le cinéma. Mais le Et cinéma, c'est ça. Mais, mais aujourd'hui, on peut plus passer un film de Bertrand Blier. Oui, c'est ça. Parce qu'on est attaqué par toutes les associations féministes, par exemple. ouais exactement. Alors c'est ouais. les meilleurs, c'est le jus. Alors qu'est-ce qui se passe C'est que les gens regardent en secret Bertrand Blier, comme on regarde Chameau, pas en, en me disant Gérard, c'est fantastique ton film. Mais ne le dis pas. Je peux pas en parler. Je peux pas en parler. <laughs> euh, voilà. On, a, on, oh on en oui. arrive. Euh, c'est quand même, c'est quand même calamiteux pour la France d'en arriver là. Ouais, c'est terrible. Bon, voilà ce qui m'a amené euh, au tribunal. Ouais. Et euh, par rapport à l'islam, en fait, euh, oui. même si tu ne partageais pas le, euh, nécessairement les idées des mecs de Charlie Hebdo, est-ce que tu as été euh, parce que je crois que ce film a été réalisé en quoi 2015-2016. 2016. 2016. Est-ce que tu as eu un choc face à à c'est passer à Charlie Hebdo parce que symboliquement, c'est quoi Ce sont des caricaturistes qui mmh. se font tuer. Euh, alors, voilà. Je suis euh, en plein tournage d'un premier long métrage avec un premier rôle au Mexique mmh. et j'apprends les tueries de Charlie Hebdo. D'accord. Je demande à la réalisatrice de me donner un jour de repos pour aller à la manifestation qui a lieu dans la ville où je tourne au Mexique parce qu'il y a une petite communauté de Français qui se réunit. Je me dis c'est pas possible. Ce qui se passe c'est trop gros. Ah oui, au Mexique il y a eu une manif, c'est oui, touchant, alors donc... on était sans... Ouais, mais c'est touchant. sans Français. Il y a beaucoup de conjoints et choses comme ça mm -hmm. là-bas, donc euh, je retrouve des, des compatriotes. Et euh, je ne pensais pas que ce serait arrivé, même si on avait eu les prémices avec euh, euh, Theo Van Gogh, avec Salman Rushdie, avec euh, finalement tout ce qui nous avait laissé entendre que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et quand une, euh, bah, au bout d'un moment, ça monte et ça pète, mm. voilà. Mais euh, si on m'avait dit que Charlie Hebdo aurait accouché du bataclan. Oui, c'est ça. Donc, où est-ce qu'on en sera Je veux dire, ça. la question qui se pose, c'est qu'à chaque fois, ça monte. Et à chaque fois, on est en train de dire... On essaie à chaque fois de mettre un bémol à ce qu'on voit tous, à ce qu'on constate, qu euh, constate tous. Oui, oui. Euh, alors, euh, au moment de Charlie Hebdo, oui, c'est un choc. Mm. C'est un choc, c'est un... C'est un, c un lupercute. Mm. Donc, moi, je suis sur un tournage qui n'a rien à voir avec ce sujet-là. Je, je tourne une Histoire d'amour au Mexique et... Euh, et je sens que je me dis, euh, je suis français. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je vague à mes occupations Je tourne le dos à ce qui est vraisemblablement euh, une tournure dont on n'a pas fini de voir la couleur ouais. Ça me met face à nos responsabili mes responsa ma responsabilité de français, de citoyen, d'homme. Ce que je veux dire, c'est que Chameau est, est probablement une réponse, avec tes moyens et ton univers qui est celui du cinéma, à, euh, à ce que tu constates en France, au problème qu on, qu on, auquel ah, on a affaire. Euh, complètement, mm -hmm. complètement. Mais je veux dire, je, si, si, je, fin, Chameau est, est, est euh, étroitement lié à son époque. Cette époque-là nous convoque à nous positionner par rapport à l'islamisation de la France, par rapport à comment on le ressent, par rapport à. Finalement, si on euh, l'accepte, si on, si on mmh. ne l'accepte pas, si on lutte, si on s'y soumet, mais en tout cas c'est un sujet. Mmh. Alors évidemment, euh, moi je l'ai abordé en termes pamphletaires et caricatural, euh, à travers ce court métrage-là qui ne résout rien, qui n'apporte aucune solution, si ce n'est effectivement de mettre une lucarne là où ça gêne. Mmh. Mais le cinéaste n'est pas là pour résoudre. Oui. Le cinéaste, il est là pour ramener la merde que vous avez mise sous le tapis sur la table. Que pensent tes parents, qui sont tous les deux arméniens, je, je le répète, euh, justement, de cette montée de l'islam en France euh, Eux qui ont connu cette France euh, de français de souche, quoi, de catholiques euh. je, je te dirais que je trouve à mon sens une... Euh, Peut-être c'est un parallèle que je fais un petit peu à l'improviste aujourd'hui. Je, je trouve que la, la communauté arménienne est, est assez divisée. Il y a des gens de droite, des gens de gauche, etc. Euh, mais on ne peut pas. Euh, C'est difficile de, 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 de vouloir se poser en, en vociférateur de la reconnaissance du génocide arménien et en omettant ce qui se passe aujourd'hui avec euh, l'islamisation de la France. C'est dur de ne pas faire le lien. C'est dur de pas faire le lien. Mais il y en a certains, euh, parmi eux ou parmi nous, euh, qui considèrent, euh, encore une fois, que par commodité ou par inertie, le placement, euh, à court terme et à moyen terme, euh, préconise l'alignement, euh, l'accommodement à oui. euh, bah euh, finalement ou à la lutte ou à la, ou à la dénonciation. Moi je le, je le vois, je le vois. Hein. Moi j'ai énormément de gens qui m'ont dit écoute euh, c'est formidable ce que tu fais euh, Gérard, mais euh, je ne peux pas te liker en, en, en public. Fou quoi. Bah, c'est triste, parce oui, qu'on oui. en est là. Ils ont, ils ont en fait c'est en plus c'est des gens qui ont toujours des postes. Oui oui non mais bien sûr ça a un sens donc, euh, hein ouais. que je les critique même pas mais j'ai beaucoup d'amis dans ces situations là est là quoi c'est à dire on peut pas liker une page Facebook donc vous rendez compte un peu cette société où les gens vont regarder ce que vous allez liker vous, vous faire chier quoi ouais. et moi je suis tellement pas dans ce réflexe là même un mec qui aurait liké le PS mais mais jamais je, je dirais bah bon, oh, as liké le parti socialiste j'ai pas envie de te voir enfin, tout à fait, fait. c'est vraiment pénible quoi mais moi j'ai j'ai des, des beaucoup d'amis arméniens dans ma ville avec qui je parle et qui se mène une guerre. Mais de toute façon, j'ai vu ça chez les, également chez les juifs de France. Mmh. Il y a une guerre fratricide entre les juifs de gauche et les juifs de droite. Ah oui. Euh, oui, les gens ne comprennent pas que c'est ce qui va conditionner, à mon sens, le, le, la balance dans l'intelligentsia française. <laughs> oui. Euh, bah on, a, on a non non mais c'est vrai on a on a par exemple les euh, on a mondialistes enfin la colonne vertébrale c'est entre les mondialistes libéralistes oui. euh, globalistes et puis les nationalistes euh, conservateurs qui reviennent à, à l'esprit des nations mm. je pense que plus que droite et gauche c'est ça le oui, oui. non mais je souris parce que ça ça valide totalement ce que une bonne partie du milieu nationaliste pense oui. c'est à dire qu'en fait euh, l'impression que le... C'est un peu nos, nos papas et nos mamans, ils se battent entre eux et on, on est juste en train de voir qui va gagner en fait. <laughs> ouais, C'est-à-dire, on n'est pas ne en position pas. de force quoi. Est-ce ouais, euh, ouais, est ouais, que ouais, c'est Zemmour ouais. qui va gagner ou est-ce que c'est BHL ouais, je pense Plus que... Zemmour si possible. Bah, <laughs> dire, for forcément, moi de mon côté, j'allais dire, je... sans. J'essaye de ne pas trop euh, qualifier ou disqualifier les hommes, mais les idées. Mmh. Et euh, je me rends compte qu'effectivement, on est dans un déni de, du réel, mais euh, absolu. Ouais. Absolu. Donc, c'est-à-dire que pour cacher, encore une fois, cette espèce de caca qui sont mauvais sous le tapis, eh ben, on tire davantage le tapis. Ouais. Mais ça sent quand même. Alors, on tire, on essaye, on essaye de mettre un peu de désodorisant, euh, mmh. du parfum, on rajoute, mais quelque chose qui ne va pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est un peu le, ce, que, ce que je vois. C'est un peu ce qui se passe ici. Et, euh, et avant d'arriver euh, euh, dans ton interview, je lisais les premières pages du livre de Laurent Berthod. Oui. Euh, et c'est exactement ça. La France interdite. La France interdite. C'est mais c'est dans le mille en trois pages, c'est dans le mille. Ça résonne. Ce doute résonne tellement juste, que mmh. ce n'est plus un doute. Oui, tout à <laughs> fait. <ouais. rire> bon. oui. Est-ce que ta ta compagne te soutient dans tes euh, dans tes choix artistiques et ce qu'on pourrait considérer comme des provocations? <laughs> Alors, j'essaie quand même de l'épargner. Oui. Non, parce... parce que je veux dire, est-ce qu'elle te dit des fois, oh, t'es allé trop loin, t'as déconné, ou euh, au contraire euh... bah, elle, elle, y a, y a, Alors, c'est marrant, mais moi, je, je, je lui pose la question autrement, sous une autre forme, mais effectivement, elle, elle, elle revient vers moi avec une, une réponse que je n'attends pas. Elle me dit effectivement, euh, en espagnol, mm -hmm. elle me dit qu'elle se rend compte qu'en 15 ans, puisqu'on se connaît depuis longtemps, la France change. Avec ses yeux de mexicaine. Elle me dit, c'est quand même dingue avec tout ce que tu as fait, que par exemple, elle voit ce que je fais dans son pays. Ouais. Elle me dit, c'est quand même fou que dans ton pays, alors qu'on a connu mon pays où on ne pouvait pas faire ça, aujourd'hui dans le mien on peut et dans le tien, on ne peut plus. La, 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 la version, quoi, la bizarre. Version, ouais, la ouais. Version. Ça, elle s'en rend compte. La deuxième chose, elle me... je pense qu'il y a aussi des thématiques profondément ancrées à la culture française que de près ou de loin elle n'intègre pas comme nous. Euh, donc, ça la, ça la rend un petit peu distante. Euh, et par exemple, je ne sais pas, mais je te donne un, une, une anecdote mais de tournage. Euh, ma mère, quand je fais un film, euh, j'espère qu'elle ne regardera pas l'interview. <laughs> ma mère me dira Mais pourquoi tu as choisi cette chemise ah oui, d'accord. <laughs> voilà, c'est absolument pas sur le, sur le fond, sur la Comme substance. Fond, ouais. Elle n'est pas sur le propos. Elle est sur euh, pourquoi tu t'es pas coiffé. Ouais. Euh, bon, voilà, ce genre de choses-là. Ça m'étonne pas. Mais c est, c est, c est, je pense que c'est aussi de, de la bonne intention de oui. la maman protectrice qui n'a pas du tout de, de lien avec le sujet qui est abordé. Ouais. Elle a d'ailleurs, je l'ai amené une fois lors d'une remise de prix de festival où elle a euh, elle a pris à partie euh, Philippe Lelouche en lui disant non, mais je suis pas d'accord avec vous. <laughs> parce qu'il avait un petit peu euh, ouais, ouais, ouais. Euh, un petit peu égratigné notre film par, par sa violence ah d'accord donc elle t'a ouais. défendu bec et oui mais enfin bon euh, je ne <laughs> demande pas à si ce qu'elle a agressé le jury non plus quoi c'est voilà. sûr ouais. alors tu t'es fait un peu taper sur le nez en faisant, en faisant chameau et euh, là-dessus ouais. comment tu réagis tu fais le djihad judiciaire qui est un documentaire est-ce que tu pourrais expliquer le concept de djihad oui, judiciaire oui alors le djihad judiciaire en fait alors moi je me suis c'est très simple hein, moi je ne, je ne prétends pas euh, comment dire résoudre des problèmes qui ne sont pas à ma euh, je suis un cinéaste, un acteur qui explore euh, comme un oiseau le ciel qui lui est offert, avec mes armes, avec mes ailes. Donc suite à mes péripéties judiciaires, je suis euh, finalement euh, rentré dans la, euh, dans la disposition d'aller à la rencontre de tous les persécutés de France. Euh, et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment euh, le... le, le et il y en a une ribambelle oui. c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de j'ai connu Pierre Cassan j'ai connu Madame Tazin euh, je t'ai connu toi euh, j'ai rencontré en passant un Hervé Rissen ou Rissan mmh. au tribunal mmh. et ce qui se passe pour moi c'est que je me rends compte que de manière globale indépendamment du djihad judiciaire on a un effondrement de la pensée et une judiciarisation de l'idée qui nous amène qui nous amène pardon dans l'abîme ouais. parce que tous les débats et les sujets qui doivent être conversés dans les bistrots, dans la sphère publique, vont se retrouver au tribunal. Personne ne gagne, sauf les maîtres du jeu. Ouais. Alors moi, je me suis effectivement euh, un petit peu... Euh, comment dire euh, Focalisé. Focalisé sur ce qui est en rapport avec euh, le djihad, c'est-à-dire l'islamisation de la France. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, euh, pour vous expliquer très simplement, euh, Gérard a donné la parole dans ce documentaire. Euh, aux, euh, aux porteurs de, de parole, aux écrivains, oui. aux intellectuels, artistes, euh, qui étaient amenés devant les tribunaux euh, pour des propos contre l'islam. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est de montrer que ce qu'on considère comme de l'islamophobie, ben peut vous, euh, tout à fait, voilà, il peut vous valoir des ennuis judiciaires, allez, voilà, amende, prison, etc. Quoi. Alors d'abord, il faut bien dire que les procès, si embêtants qu'ils soient, ne sont qu'une des formes de la répression idéologique et de l'étouffement de la parole. Il y a bien d'autres formes que le procès. Le procès est une des formes les, les plus embêtantes, les plus préoccupantes et les plus coûteuses aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il incarne Il incarne, Il incarne le, le désir que certaines choses ne soient pas dites, ce qui est l'essentiel de la situation au fond. C est, c est, nous vivons dans un monde où l'élément principal, de très loin le plus important, ne doit pas être nommé. Et quiconque le nomme s'expose à des ennuis considérables, judiciaires, mais aussi professionnels, sociaux, familiaux, sentimentaux, je ne sais pas de quel ordre, de, de tous les ordres envisageables. C'est pour ça que les gens ont peur, d'ailleurs. C'est une des explications à l'invraisemblable passivité de notre peuple face à ce qui se présente. Il y a bien d'autres explications, mais c'est une des explications principales, le fait que les, les gens savent qu'ils risquent quelque chose. Il faut savoir qu'on risque quelque chose à nommer ce qui survient, à voir ce qu'on voit, à dire ce qu'on voit, à nommer ce que désigne le regard et à ne pas s'en remettre à ce que dit que disent les, dis les divers discours officiels, qui en fait n'en font qu'un d'ailleurs, et dont les tribunaux ne sont qu'une des expressions. Oui, ça commence au début. Alors Pierre Cassan le, 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 le dit très bien, puisqu'il a, il a, il a vécu 53 procès. Ah oui Oui, oui, 53 procès. C'est incroyable. En, C'est incroyable. incroyable, mais les gens ne le savent pas. Oui, voilà. Mais... Avant que je te relaisse la parole, c'est que moi, là, je, je, je m'adresse à mon public, qui est un public de patriotes, nationalistes. Il y a cette idée qui court dans, dans nos sphères et qui est insupportable. Cette idée, c'est la suivante, c'est qu'à part quand on critique... Euh... En fait, il y a seulement quand on critique l'élite juive, on va, la dire, mm -hmm. on va dire le mot, on va me lâcher le mot, qu'on est amené au tribunal. Mais c'est totalement faux. Depuis 5 euh, ou 10 ans, euh, les, les, les magistrats et la, la justice se... Euh, comment dirais-je Très énergique, euh, pour... Euh, ben en fait, pour, pour vous emmerder quand vous tenez des propos euh, contre l'islam, contre l'islamisation C'est la... effectivement, mais je, moi je dirais plus. Alors, évidemment, moi je, mon sujet est plus enclin à, à cet aspect qui est l'islamisation, mmh. le djihad judiciaire, etc. Mais au moins, je pense qu'il serait aussi malencontreux de le limiter à cet aspect-là. Parce qu'aujourd'hui, toutes les associations. Euh, anti-raciste, anti-transophobie, euh, anti-végan, euh, anti anti-je-sais-pas-quoi. En fait, on a, euh, et ça nous ramène, euh, c'est ce que je dis souvent à, à beaucoup d'amis juifs que j'ai, le, le délit d'antisémitisme a ouvert la voie, ouais. juridiquement, au délit d'islamophobie. Effectivement. Ouais, juridiquement. La boîte de Pandore. C'est la boîte de Pandore. Mmh. Je pense qu'ils l'ont fait, eux, euh, à l'époque, pour des raisons légitimes. Mmh. Mais cette utopie, s'est transformé en cauchemar, qui fait qu'aujourd'hui la loi contre l'antisémitisme ne protège absolument pas les juifs de France. On s'en rend compte. Mmh. Et euh, néanmoins a ouvert la voie euh, à tout un tas de d'associations oui, oui. euh, contre. La, alors, il y a quoi Il y a islamophobie, associations contre la négrophobie, contre la la blancophobie. Je sais pas si ça existe encore. Oui, on essaye. Enfin, il y a certains, mais <laughs> bon, petit à petit. La, la, la grossophobie, j'ai entendu. Ouais. Bon, enfin, c'est quelque chose qui, qui, qui s'invite. c'est la vraiment. glottophobie. C'est-à-dire les gens qui ont peur des accents. C'est-à-dire si je me moque de l'accent du charmant accent de, de ta femme, oui. Et eh ben, en fait, elle peut me faire un procès. Je lui dirai. Comment ça, il y a un problème avec les Mexicaines bah, D'accord. Pardon, quoi ouais. D'accord, d'accord. Mais c'est fou. Ouais. C'est fou parce que c'est un. Je pense que c'est un. C'est un cul de sac. C'est une impasse terrible euh, qui permet encore une fois de faire taire toute idée qui viendrait contrecarrer, confronter l'idée de la doxa mmh. dominante. Et euh, alors évidemment, moi, je ne peux pas m'attaquer, le sujet est trop vaste, ouais. à tout ce qui est le, détermine la liberté d'expression, mais euh, j'en attaque un pan, un seul pan. Ce ah qui ouais. est, et d'ailleurs, je tiens à faire remarquer ici que je ne suis pas attaqué, moi, par une, une association d'obéissance musulmane, mais une, associ une association d'obédience juive, mmh, la LICRA. La LICRA ouais. Et si, je, si euh, euh, tes auditeurs mmh. ont le courage de se pencher sur le paradoxe français de Simon Epstein, ouais. euh, c'est un livre qui a été abordé dans Méloco Mélancolie française par euh, Eric Zemmour, ils se rendront compte que la LICRA, précédemment LICA, a eu son rôle à jouer lors de la collaboration. Ah oui? Oui, oui c'est très important ce que je vous dis. Parce que là, on, en, on commence à être, à être très, très bien informé sur les, les collusions. Sur les, oui, euh, vas, voilà. Je crois que tu vas y aller souvent devant le tribunal, toi. Tu t'es tu, dit, tiens, je vais revenir. Non, mais je pense, <laughs> qu je pense que le débat d'idées, il faut absolument qu'il ait lieu. Ouais, sur ouais, la ouais. place publique, avec non, tous les intervenants. N'empêchons pas les gens de parler. Que hmm. toutes les idées soient posées sur la table, qu'on puisse en débattre, qu'on puisse les confronter. C'est grâce aux idées qu'on évite la violence. Non, mais là, ça devient quasiment de la folie. Moi, je suis passé au tribunal en mai. Oui, c'était en mai, euh, oui, en, mai mmh. en mai 2018. Et euh, bon, il y avait, ils avaient euh, sélectionné un certain nombre de propos. Alors certains étaient considérés comme antisémites. Oui. Et d'autres islamophobes. Et mmh. parmi les propos islamophobes, il y avait, euh, je, je disais en gros, dans un post Facebook, tu sais, euh, ouais. c'est-à-dire que as l'impression que tu t'as pas le sentiment que tu vas parler euh, au tribunal quand tu fais ça, tu sais, ouais. tu fais, voilà, tu. L'idée sort de la tête, tu te dis, tiens, je vais le marquer parce que j'ai ce, cette opinion. quoi. Et, euh, et en fait, j'avais dit ben, les, les musulmans sont, sont antisémites. En fait. mm -hmm. Et le tribunal me, me, me condamne pour ça. C'est-à-dire, en gros, mm -hmm. euh, je n'ai pas le droit de dire que les musulmans sont antisémites. Enfin, en tout cas, dans l'islam, il y a euh, une forme d'antisémitisme théologique au moins, oui. et eschatologique, parce que c'est la fin du Coran. Hein. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la fin du Coran, c'est la lutte euh, entre... Il y a autre chose, mais euh, la lutte contre les juifs. Oui. Donc, je dis, bah, textuellement le... bon, euh, je, voilà. je, je, je te dirais que bien naïf est celui qui croit que la justice est juste. Hmm. Je pense que euh, on en a aujourd'hui de plus en plus et, de plus en... et on l'aura davantage dans les mois et les années qui viennent. Euh, la justice n'a qu'une fonction. Fonction, c'est de maintenir l'ordre social, à tout prix. Ouais. Euh, et effectivement, euh, moi, je l'ai vu à travers la culture, mais je considère à mon niveau que la justice française n'a jamais été indépendante, ne le sera jamais. Elle n'est qu'un organe d'État. Le bras droit euh, des dirigeants, des responsables gouvernementaux en place. Mmh. Ça a toujours été le cas. Et aujourd'hui, effectivement, euh, euh, vouloir remettre euh, ce qui est gros comme une maison, c'est vouloir démontrer à ceux qui le savent déjà euh, que nous, on le sait déjà. Oui. Donc, bon, c'est une perte de temps. Des serpents euh, qui se mordent avec queue. Oui, 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 oui. Mais je pense qu'il n'y a personne qui est dupe. C'est un spectacle. Moi, quand je, je, je vais au tribunal, la première chose qui me frappe, c'est que la mise en scène. Ouais. c'est la mise en scène tout à fait c'est vrai oui, oui. Euh, les tocs euh, c'est du théâtre c'est du théâtre mais c'est du théâtre' de, de très très bas niveau mmh. de très très bas niveau <laughs> moi quand je vois le lexique est qui est spécialistes qui parle ah bah, je suis désolé, mais quand on a goûté euh, à Jean Gabin, ouais. c'est très très <laughs> difficile de, 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 comment dire, de savourer la prestation et la plaidoirie de l'avocat de la Non, mais tu as raison. Et là, <laughs> il ne s'agit même pas, de, là pour le coup, de, de se moquer de nos adversaires. Moi, été, je peux vous le dire, j'ai été étonné par la plaidoirie de mon propre avocat. C'est-à-dire qu'en fait, avant, euh, on a pris un café ensemble, tout à fait normal, ils vont ouais. se parler comme on se parlait. Tout à coup, il est en position d'avocat. Oui. Et, et Madame la juge, oui. Monsieur le procureur. Oui. à vous dire que ouais. c'est plus le même homme je sais que ça c'est le sujet d'un de, de mes prochains films ah mais c'est génial ah, oui, mais oui. j'avais du mal à rire et je me contenais oui, d'ailleurs oui. la, la, la juge l'a vu mais c'était pas pour me moquer d'elle c'est sûr je ne savais pas que j'étais au théâtre on m'a pas prévenu en fait moi bon, ouais. quand j'ai parlé j'étais premier degré tu vois oui. ouais. j'avais pas compris qu'en fait il fallait jouer un rôle je le saurais pour les prochaines non fois. mais Toi, tu ne joues pas un rôle, mais l'avocat, effectivement, est dans, oui. une, dans une plaidoirie, dans une prestation les théâtrale. Deux, le procureur comme ouais. mon avocat, en fait. C'était du ping-pong, euh, c'était du théâtre. Oui, oui. mais c est, c est, c est, euh, ça permet d'édulcorer le fond euh, sans finalement pouvoir en révéler la substance. C'est terrible. Ouais. Euh, moi, j'ai été face à des questions qui m'ont absolument euh, dévasté par leur médiocrité. Ah oui Ah oui, oui, non, mais c'était... Euh, euh, pourquoi Chameau Ah, pourquoi tu l'as appelé Chameau Oui. Alors, j'ai dit que la chèvre de Francis film. Weber était déjà prise. <laughs> non, j'ai pas dû. dit ça. Mais j'aurais dû. J'aurais dû. <laughs> dû. C'est complètement. Euh, ouais. on, tombe, on tombe des nus. Putain, moi, t'appelles bien ton film comme tu veux. C'est incroyable. Bon, bah, on en est là. Ouais, on <laughs> m'a demandé pourquoi vous dites Mokhtar, Mahmoud ou les, tous les noms. Euh, ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai dit que j'avais quand même pris le soin, en termes d'analyse cinématographique, de répertorier tous les attentats depuis 20 ans. 1995 avec Khaled Kelkal jusqu'à Mohamed Mehra en 2012. Ouais. Sur 20 ans. Je leur ai dit que j'ai trouvé aucun Simon, aucun Joseph, aucune Carole. Visiblement, euh, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Ouais. <laughs> voilà. Mais, c'est. Euh, en fait, c'est un, un, un théâtre. Mmh. Voilà, il faut l'incorporer il faut comme. Euh, on ne peut pas s'y soustraire. Hein. Je ne pense pas non plus. Mais je pense que ça révèle l'état totalitaire de notre époque. Ouais. Moi, je pense qu'on est rentré dans une dictature soft. D'accord. Contrairement aux dictatures russes, il n'y a pas de procès en Russie. On vous élimine. Hein. Mmh. Bon. Euh, mais ici on ne se on nous n'est pas éliminé par un suicide par une balle ou par un poison ouais. on est éliminé par des condamnations judiciaires ouais, des amendes praisée ruiné con, ruiné mmh. d'abord ruiné mmh. euh, c'est pour ça encore une fois que je suis contre l'interdiction de tous les adversaires politiques oui euh, y compris de l'autre bord moi j'avais entendu j'étais je, je m'étais euh, bah, ça avait commencé, il y avait une pierre angulaire avec le cas euh, Dieudonné. Ouais. C'était en 2002. D'ailleurs, s'il ne l'avait pas interdit, je ne l'aurais jamais découvert. Mm -hmm. euh, parce qu'il qu y a un effet contraire. Euh, indépendamment sûr. de la prestation à... la vie de, oui, oui, de Dieudonné en lui-même. Moi, c'est comme ça que je suis... Euh, on m'a dit, non, mais c'est un raciste, il euh, ne faut pas regarder. Oui, bon. voilà. En gros, il ne faut pas regarder. <laughs> Quand ça. on te dit, il ne faut pas regarder, <laughs> c'est comme un livre porno. C'est hein. du porno, C'est où C'est où Voilà. Bon. Alors la différence, c'est que voilà après, euh, après bon je comprends qu'on aime qu'on n'aime pas. La question de la censure ne se pose pas en on aime ou on n'aime pas. Mm. Malheureusement les gens ne comprennent pas ça. Ouais. Donc dans ta logique par exemple ne c'est pas je te soumets pas du tout à la question. T'as le ouais. droit de dire oui. Hein, ouais. Mais euh, le, le, un rap comme pendez les Blancs, ça doit exister pour que nous on, on puisse dire ce qu'on veut de notre côté. Bah, c'est une bonne question parce ouais. que le problème c'est qu'il y a aussi je comprends aussi euh, ouais. le, certaines populations dites on va dire on peut pas. Le problème, c'est quand on est arrivé dans un état de déli déliquescence, de délitement culturel, structurel euh, euh, de cette société, qui est que, effectivement, il y a quand même quelques individus qui seraient capables de passer à l'acte. C'est ça, ouais. Alors, c'est quand même, il faut y répondre. Oui, oui. Je suis d'accord avec ça. Mais malheureusement, on est dans un cercle vicieux qui va nous amener à tout, tout censurer très, vrai, très vite. C'est vrai. Donc, alors, j'en parlais avec, euh, euh, avec, euh, avec Walid al-Husseini. Mm -hmm. Euh, on parlait de, effectivement de. Est-ce qu'il faut censurer le, 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 le clip du. Comment il s'appelle Nick Conrad Il s'appelle Nick Conrad, c'est vrai ouais, C'est sérieux, ouais, non sûrement un pseudonyme. D'accord. Euh, Pour sûr, la joue bon. américaine, quoi. Oui, d'accord. S'appelle ouais, Conrad, hein. t'as vu <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est à dire que. Bon, bon Moi, je ne considère absolument pas l'individu comme un artiste, mais maintenant, n'importe qui est artiste. Mm. Donc, c'est aussi ça le, les vertus de, de la mondialisation. D'ailleurs, finalement, on s'en. On euh, on s'en habille ouais. euh, pernicieusement euh, tous les deux, j'allais mmh. dire. Mais, encore une fois, encore une fois je ne sais pas. Je ne sais pas comment me prononcer. Je pense qu'il faut vraiment... Euh, on, on a ouvert la boîte de Pandore et on ne sait pas ouais. jusqu'où on va aller. Oui, en fait, il faut déterminer à quel point il s'agit d'une œuvre d'art ou d'un appel tout simplement au meurtre. Ouais. Moi, j'ai quand même dans l'idée que si tu n'avais pas appelé ton film Chameau, mais Pendant les Arabes, tu aurais eu énormément de soucis. Hein. Ça aurait été dur de dire non, mais c'est de la fiction. Écoutez, euh, voilà quoi. Oui, mais enfin bon, je veux dire, faut être, faut être débile pour dire prendre les Arabes. Mais non, mais je dis pas que tu dois le faire, mais ouais. c'est pour dire, donner un peu le contraste. Je pense ouais. que ce qui agace dans cette histoire de les blancs, mm -hmm. c'est pas tellement que mec écrive une chanson où il exprime sa haine à travers la, la musique, mais c'est que finalement. Ça ne fasse pas un scandale à la hauteur de ce que le contraire ferait, pendant oui, les Noirs, pendant les Juifs, pendant les Arabes. Oui, ah, oui. c'est ça qui a choqué. C'est-à-dire qu'on qu s'est dit, mais là, on voit très bien qu'il y a un racisme anti-blanc qui finalement, est finalement ah, oui, oui, le plus présent. Oui. Non, mais moi-même, j'allais dire, moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai bien plus d'amis arabes euh, noirs de par ma malheureusement ou heureusement de par ma La situation Outabit. géographique, oui, ça. Euh, de par mes activités. Moi, je suis quelqu'un qui fréquente les salles de sport. Il y a énormément, j'ai énormément de copains musulmans qui sont noirs ou qui sont etc. Mmh. Mon témoin euh, Fessal, ouais. qui est mon ami, qui est cinéphile, il est noir, arabe, algérien. D'accord. J'avais dit, à ah, Fessal vient parce que toi, tu fais trois en un. D'accord, <laughs> ça l'a pas <laughs> servi. Mais ces gens-là ne comprennent pas ça, c'est-à-dire que ces gens-là qui sont en train de me juger comme euh, étant la pire des crapules racistes qui voudraient exterminer le monde musulman mm -hmm. sur la surface de France, ne comprennent pas que euh, à mon niveau, à mon échelle, dans ma vie au quotidien, t'en fréquentes plus, plus, mais que ouais. avec des relations étroites. Ouais, tout à fait. Moi, à je... toujours, eux, c'est zéro. Alors, c'est oui, si non, tu non, mais c'est frappant. C'est frappant. Et d'ailleurs, vu mon visage, dire c'est pas. Je... On ouais. voit bien que je suis pas français de souche. Oui, oui c'est ça. Je, je, ne, je ne préconise pas, mais je fais ce travail-là, à l'instar de ce travail d'exposition de, de, cinématographique, je le fais aussi sur les Arméniens. Hmm. La France n'a pas vocation à s'arméniser. La France n'a pas vocation à avoir des enfants qui s'appellent tous Agop, mm -hmm. Achot euh, ou Luciné. C'est vos prénoms, ça C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Ah ouais. bizarre. Et quand bien même on se moquerait de mon prénom. Moi, bon, j'aime pas. Voilà. Et, et tu as tout à fait le droit de ne pas aimer je ne vais pas pleurer porter un je procès je ne savais comme même euh... pas que ça existait ces prénoms ouais, il, y en a, il y en a beaucoup, dans ma ville il y en a beaucoup ouais. mais euh, encore une fois, qu'est-ce qui me permet de dire attends tu n'as pas aimé le prénom Agop et euh, tu veux que je m'appelle Corinne donc je vais te mettre euh, au tribunal c'est ouais. fou, il y a 10 000 fichiers S en France la priorité c'est de mettre euh, monsieur Zemmour et monsieur Conversano au tribunal ouais. on a quand même face à des longs violents Ouais, bah cela dit, tu parles peut-être sans doute à un fichier S, hein, mais un fichier S pour d'autres raisons, quoi. Oui, mais bon, j'ai l'impression que voilà, je veux dire, je pense que il y a des couleurs. Moi, c'est rouge ou, ou noir, mais, mais on devrait quand vert. même. On devrait quand même être. En fait, c'est ça. Les gens arrivent à me dire moi, personnellement, dans, mon, dans ma situation, que je t'ai exposé, de cinéaste assez indépendant, marginal, ouais. explorateur. J'en arrive en fait à ce qu'on me dise. Non, lui, il faut pas le rencontrer. Lui, il faut le rencontrer. Mais en fait, on se positionne pas comme ça. Non, ouais, hein, ouais, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on va rencontrer les individus On ne se positionne pas selon le critère de la gendarmerie nationale pour dire celui-là respectable, celui-là ne l'est pas. Ouais. Il y a une confrontation d'idées. Je suis sûr qu'on ne sera pas d'accord sur tout. De quoi as-tu écopé en première instance, en tout cas euh, Bonne question. J'ai écopé de. Alors, a priori, la, 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 on avait requis trois mois de prison avec sursis. Ça n'a pas été euh, retenu. retenu. J'ai pris 4000 000 euros d'amende. Ah oui Oui. D'accord. Euh, on a fait appel je pense qu'on était obligé de faire appel pour... parce que dans le futur, on est obligé d'aller jusqu'au bout du bout. Mmh. Euh, je tiens à rappeler ici que quand j'ai rencontré Zemmour, ouais. euh, Eric Zemmour m'a fait part du fait qu'il avait été en appel parce qu'il avait effectivement attaqué Youssoufa, le rappeur, qui préconisait de mettre une balle sur sa tête. Ah oui Oui. Euh, Eric Zemmour m'a appris et m'a donné l'information qu'il avait perdu. D'accord. L'incitation au meurtre ou à la haine n'a pas été retenu jurisprudence rap ouais. euh, liberté d'expression incroyable voilà. donc la liberté d'expression à géométrie variable ouais, extensible ouais, ouais. à souhait et le djihad judiciaire me permet ouais, ouais. à travers les témoignages de, de faire la balance mmh. et quand je vois que Pierre Cassan Tazin toi moi Sébastien Jalamion Laurent Oberton euh, Georges Bensoussan tous ces individus sont écartés alors qu'ils sont tous, on est tous de bord politique, philosophique et cheminement différents, ouais. on est tous écartés pour la même raison. On a soulevé ce petit caca sous le tapis qu'on n'aurait pas dû mettre sur la table. Mmh. Par contre, vous avez de l'autre côté le camp de la respect respectabilité, le camp du bien. C'est qui C'est Rocaille Diallo, c'est Médine, c'est Marel Schiappa. Ouais. Et alors, quand moi je mesure en termes de pedigree intellectuel, culturel, structurel, euh, et je fais la balance. Je pense que la France est en train de condamner ces personnages érudits, ces symboles culturels, oui. au profit d'une ribambelle de guignols. Moi, ça me frappe dans le constat. Quand mmh. Je fais la balance des deux. Mais je crois que euh, sur le rôle que joue la justice actuellement, tu, tu as mis les mots justes, hein, c'est-à-dire vraiment euh, préserver l'équilibre social, même s'il est merdique. C'est-à-dire en gros euh, laisser l'islam s'installer tranquillement. Pourquoi vous faites du bruit C'est vraiment ça, quoi. Moi, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Bah, moi qui attaquais ça, effectivement, j'allais dire, c'est vrai que j'en parle j'en parle avec un, un ami qui, qui écoutera sûrement cette conversation, ouais. Hakim, si tu nous écoutes. Ouais. Hakim me dit, et je pense qu'il a en partie raison, il me dit mais alors oui, l'islam, mais pas l'islam où tu l'entends, pas l'islam autant de. pas dans la dans la charia, l'islam swag, mmh. l'islam iPhone, l'islam Starbucks, c'est un islam qui, qui, qui ne veut rien dire, mais qui existe ouais. à travers le foulard, mais le string. Ouais, il le considère de cette manière-là. Euh, il me dit avec euh, avec le, le musulman qui va nous sortir le drapeau, Allah is gay. Oui. Voilà. Toi, oui, il, y a, oui. il y a cette il y a cette, mais je comprends qu'en fait il y a des divergences, il y a des il y a des moi je ne, je ne prétends pas mettre euh, comment dire euh, tous les torts et toutes les culpabilités du monde ou du moins de la France sur uniquement l'aspect de l'islamisation. Non, non c'est sûr. Voilà. Mais c'est un aspect. Qui me semble fondamental. D'autre part, et même ah. chez les nationalistes, certains font le pari euh, que je trouve un peu fou, euh, que l'islam, en fait, va se moderniser euh, et, en fait, se transformer, comme le catholicisme s'est transformé, en finalement une religion qui accepte tout. Euh, mais j'ai bien oui, oui, peur oui, oui, que oui. ça prenne plus de 5 ou 10 ans, quand même. Je ne suis pas certain que. Mais moi, j'allais ouais. dire, c'est pas. En fait, j'allais dire, le, le... j'ai constaté en voyageant, je voyage beaucoup, ouais. euh, que. Et parfois, j ai, j ai, j ai, je pense que c'est là où je diverge aussi avec Mme Tazin, que j'apprécie beaucoup. Oui, oui. Je pense que c'est la laïcité qui a permis cette perméabilité. Je pense que tous les pays que j'ai visités avec une chrétienté, chrétienté forte n'ont pas ce oui. ventre mou. Mmh. Euh, alors, ils ont d'autres problèmes. Oui, tout à fait. Mais ils n'ont pas ce ventre mou qui permet à ce qu'une autre force aussi conquérante puisse s'installer. On dit bien laïcité. Peut-être, bah, c'était le cas par exemple dans les pays communistes, un athéisme fort, oui. C'est-à-dire, on interdirait les religions, d'accord. Oui. Mais la licité, en les permettant, bah, fait gagner les, les religions qui font le plus de bruit. On sait actuellement en France la, laquelle c'est. Oui, oui. La, 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 les, les gens nous diront à juste titre, mais. Euh, comment dire euh et je les rejoins. Je veux dire, de voir en chaque musulman un terroriste, mais faut être, faut être bête. Avant d'être fou, faut être bête. Oui, bah c'est sûr. Bah c'est toujours une question de proportion. Mais c'est une question de proportion. Ouais. Moi, je pense que l'utopie euh, 68ard qui arrive en, en fin de parcours aujourd'hui, est que la démographie ne comptait pas. Ah oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'était un élément que tous les peuples prennent en considération, sauf nous. Mais, sauf nous. Alors c'est quand même. Euh, c'est dingue. Hein. J'allais dire. Et j'en parle avec mes avec mes compatriotes musulmans, mais ils me le disent aussi. Mmh. J'ai énormément de, de contacts autour de moi qui me disent mais effectivement ils ont pas prévenu ils ont on pas prévu ils ont pas prévu on... mais c'est des sujets c'est des sujets et je, ouais. pense qu est, je pense qu'on je pense qu'on n'est pas arrivé au bout hein. mmh. bon si on appel c'était confirmé est-ce que ça va ça va modifier ton rapport à la création est-ce que tu vas mettre un peu des, des limitations un hein, sur ton sur ton flingue artistique bah je pense que, que c'est le début de la mort artistique d'un individu de penser comme ça. Je pense ouais. qu'au contraire, ça le révèle. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, je ne veux pas diriger, euh, je suis désolé, je le dis ici, à des amis qui sont patriotes, français, francophiles, euh, et la culture française est quelque chose qui m'obsède, mais je ne prétends pas euh, consacrer euh, mon existence artistique, cinématographique à l'islamisation de la France, mmh. pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce n'est pas intéressant. Ouais. Excusez-moi, j'aurais autre chose à traiter que traiter du chameau. Ouais. Le chameau, c'est un, un film qui, en écriture, m'a pris à peine 15 jours. Vraiment, et le fait que ce soit le plus reconnu aujourd'hui, ça m'attriste. Oui, je comprends. Ça me fait penser à Guy Marchand et Destiné. Oui, non, mais c'est <laughs> pareil pour moi. Quoi, est Deux ans après, c'est. Soral, quand tu as dit bordel, j'ai le droit, c'était génial. Oui, d'accord, mais ça fait deux ans. Ah quoi. oui, on te ramène à... fait... Non, mais je m'en fiche parce que c'était, pour moi, c'était une victoire ce moment-là. Mais malgré tout, c'est c'est le principe de te ramener à une seule chose alors que tu en as fait 50 000. C'est insupportable. C'est ça, moment, bon <laughs> voilà, bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, j'en parle aussi avec ma compagne, avec ma femme, c'est que, étant donné euh, ce qui se passe en France, mm -hmm. euh, j'en parle avec des amis italiens, je ne suis pas sûr que le futur, euh, humainement et surtout artistiquement, pour moi, soit en France. D'accord. Alors, euh, c'est un crève-cœur, hein. Mmh. Je sais pas, il y a personne qui part de son pays de gaieté de cœur. Non, c'est sûr. Euh, ma langue maternelle, même si j'en maîtrise d'autres, c'est le français. Oui. Euh, J'aurais voulu évoluer davantage euh, en France. Mais je me rends vite compte, je me rends vite compte que je ne ferai pas partie de ce gratta. Euh, finalement, euh, pour le meilleur euh, et aussi pour le pire. D'accord. Donc j'envisage aussi. le pour continuer le... à créer, tu vas peut-être t'expatrier, soyons clairs. Je vais m'expatrier, je continuerai effectivement en langue française. Là, je suis même en train de travailler sur euh, The Hungarian Butterfly, qui est le prochain film, le papillon... Non, non, non. Le papillon euh, <laughs> hongrois. Ouais. Et j'ai hésité longuement, j'en ai parlé avec des, des intervenants, de savoir si je devais le dédier à Viktor Orban ou pas. Ah, intéressant. C'est intéressant comme postulat. Ouais. Alors, je me méfie énormément des politiques, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient, parce que je sais que ce sont des stratèges, mm. avant d'être des des grands ouais. visionnaires et des grands philosophes. Je bah, je te garantis pas que tu seras invité dans son salon, mais en tout cas symboliquement, ça a une force. Ça euh... a une force, ça me rappelle Depardieu et Poutine. Un peu, ouais. Oui, alors ouais. évidemment, Depardieu a été instrumentalisé par Poutine. Ouais, ouais. Mais Puis bon... volontairement, je crois, il s'est dit oui, instrumentalise-moi. Oui, oui, et volontairement et volontairement, <laughs> et volontairement, <laughs> et volontairement tout la, à vodka, hein, bah la vodka balance la vodka, c'est génial Poutine, j'adore. Ouais. <laughs> mais je veux dire qui n'est pas instrumentalisé aujourd'hui par Macron euh, alors si c'est là-dessus. Euh, ouais, c'est sûr, c'est sûr des En hein. tout cas, il y en a qui il y en a qui bouffent hors atelier quoi. En gros. Ça le temps quand même où les immigrés euh, partent également de la France. On en est à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire. J'ai été et c'est un constat qui me frappe. On me dit euh, et Gérard, je me rends compte que je ne fais pas exception à cette règle-là. On me dit en sous-main, on va dire en dans les caves, en off, en off ouais. euh, tous ces soi-disant patriotes euh, qui veulent effectivement une France forte, redonner le blason à ce Français de souche opprimé, humilié sur sa propre terre, c'est Boyadjian, d'origine arménienne, marié avec une mexicaine. Conversano, avec une roumaine, j'ai bien compris. Euh, j'ai entendu parler de Boris Lelay, marié avec une japonaise. Euh, c'est pas sûr, mais. Bon, c'est pas sûr, bon, passons. Ouais. En, tout cas, en tout cas, il vit pas en France. Quoi. En tout cas, il ne vit pas en France. Ouais. En tout cas, c'est énormément de gens qui ont des origines étrangères et qui sont mariés aussi avec des étrangères. Ouais. Ce qui veut bien dire qu'on ne prêche pas pour la paroisse ni du Mexique ni de l'Arménie, en ce qui mmh. me concerne, ouais. mais du socle et du bien commun qui est cette France, finalement, qu'on défend contre-vents et marées, euh, et on s'en voit euh, acculé et accusé. Pour moi, c'est terrible comme constat. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, dans la, en tout cas, dans, je dirais dans la génération 2040, parce que si on cherche en avant, bien sûr, il y a eu l'épopée des Le Pen, il y a eu des partis comme le Parti de la France, qui sont des, il y a que des Français de souche hein, dedans. Hein. Ouais. Mais dans les porteurs de voix YouTube d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a souvent euh, des gens qui ont des origines étrangères, d'Europe ou d'ailleurs. Et euh, ça, mine de rien, ça interroge, quoi. Ouais mais moi j ai, j ai, il faut il faut en plus il y a un, on est vraiment j'en parlais avec un jeune euh, un jeune français qui avait à peine 18 ans qui m'a euh, lors d'une soirée récemment qui me qui me parlait effectivement qu'on est rentré dans la politique de la tyrannie des plaintifs ouais. alors le fait qu'à 18 ans il ait compris ça ça me semblait je me dis celui là on va le revoir prochainement très vite <laughs> Toi, es un bon quoi. <laughs> ouais, 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 ouais. <laughs> bon il y avait ça et puis euh, effectivement alors le problème quand on rentre dans ce genre de politique de la tyrannie des plaintifs de la victimisation à outrance' C'est qu'on euh, est face à des sociétés et des philosophies et des civilisations qui, qui sont conquérantes et qui vont nous battre. Il n'y a personne qui gagne par la compassion. Hmm, c'est sûr. Voilà. Alors, le, les tribunaux vont peut-être te laisser tranquille euh, si tu si t'éloignes tu un peu des, des sujets sur l'islam. Mais si c'est pour retourner au tribunal à cause d'associations féministes, hein, avec ton film La Gauchias, que j'ai oui, vu il n'y a pas oui, longtemps. Voilà, <laughs> ouais. Oui, avec Mélanie. Ouais, ouais, oh oui, chou, bah. Mélanie. <laughs> oui, ouais. Bonjour, c'est Mélanie. Oui, oui, tu l'as vu, ouais. T'es très moche en femme, vraiment. On m'a dit, ouais, dit, mais tu sais que je peux t'attaquer Pour ça Oui. <laughs> je ne le ferai pas. <laughs> si ton idée... identité de genre c'est femme et que tu considères que je viens de t'insulter, tu peux m'attaquer, Théorie. Il dit identité genre, expression expression de genre, expression de genre. Faut pas confondre. Faut pas confondre. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis blanc Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez entendu ce que je viens de vous dire ah, mais dès la première question quand je t'ai dit euh, est ce que tu es arménien est ce que tu te sens européen t'aurais pu partir claquer la porte oui tout à fait ouais. <laughs> non je suis libanais voilà je sais plus qu'il avait répondu l'autre guignol non mais c'est vrai que quand je t'ai vu en femme je me suis dit mais oui, je suis immonde il est désagréable, ouais. désagréable. c'est enfin. immonde c'est immonde une femme tu enfin, oui, 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 t'as une tête très anguleux viril donc c'est et puis je me, je me suis rendu compte qu'on a eu beaucoup de chance de ne pas avoir de sœur et ouais. de frère exact parce que ça aurait été immonde <laughs> ouais. mais bon voilà <laughs> bon, je vous mettrai un lien vers ce film qui est je crois le plus récent que tu as ouais, sorti alors ce qui est intéressant oui, dans le, le film La gauchiasse, c'est que euh, surtout pour mon public, parce que je pense toujours en fait, aux gens qui me regardent, en, en général on ne tombe pas par hasard sur une vidéo de Conversano, euh, c'est que très vite, dans le film qui est assez court, on comprend que le féminisme pour toi est la, la bannière un peu du racisme anti-blanc et anti-mal-blanc surtout. Vois, ouais. Parce que euh, finalement, alors je spoil, attention, spoil. Si vous voulez pas être spoilé, mettez pause et regardez le film que je vous mets en description et en commentaire épinglé. Mais à la fin, on comprend que cette femme qui se dit très indépendante, une caricature de féministe, moi ceci, moi cela, très auto très narcissique, les hommes sont des salauds, etc. Ben en fait, cette femme sort avec un arabe qui en fait lui gueule dessus. Donc, ce qu'elle elle accepte de son, de son Rachid, elle n'accepte pas d'un Jean-Michel. Et tout le féminisme est là finalement, quoi, je, je trouve moi. C'est ouais. moins une volonté euh, d'égalitarisme et de, de se mettre au niveau des hommes que surtout de taper sur la tête de l'homme blanc. quoi. C'est comme ça que je le vois. Alors bah, écoute, moi je, je te dirais que si on n'a pas vu le vent venir entre Yourcenar, Marguerite Duras et Lady Kaka, euh, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Lady Caca. Ou Lady Gaga. ouais, bon, c'est une boutade, mais. Non, mais c'est simple, euh... mais c'est bon, je me l'étais jamais dit, quoi. Donc, effectivement, ça reprend dans les grandes lignes euh, les 30 dernières années de ce que tu viens d'évoquer, ouais. à travers des archétypes que j'ai longuement écoutés, décortiqué, analysés. Ouais. Alors, la, la c'est évidemment, est une caricature, mais elle m'est inspirée de personnages qui sont réels. Donc, il fallait en, en soutirer les, les grandes lignes mmh. de manière à composer cette œuvre immonde qui est euh, la quintessence de la haine de soi, de sa couleur, de son ethnie, de son genre. De la bêtise aussi. Bah oui, ça s'affaire quand même à la bêtise parce que c'est une vision qui est non pas à moyen terme, mais même pas à court terme. C'est un suicide euh, ouais. orchestré euh, sur un laps de temps euh, très délimité. Mmh. Donc. Euh, si vous demandez, enfin, c'est un, un sujet qui, qui est vaste. Moi, je l'aborde à travers des contemplations. De d'ailleurs, je reprends dans le film au oui. début euh, le, le, la, la personne qui est euh, qui est comment dire euh, qui m'amène, qui est le tremplin à ce personnage-là, qui est une personne réelle qui s'appelle An Anastasia. Ah, exact. Oui, oui, tout tout je sais oui, pas oui, comment s'appelle. Oui, oui, exactement. Évidemment, euh... c'est le même procédé que que pour Chameau. Tout à fait. Voilà, c'est. Je décortique un effectivement un sujet. Et puis, je vais l'incorporer à travers un personnage oui. qui peut être pamphlétaire, qui peut être caricatural, qui peut Vous être verrez brûlant. Le, le processus de mise en scène, c'est Gérard en fait joue euh, une femme euh, qui finalement se présente sur YouTube. Bon, on dirait un truc un peu de tuto make-up, mais avec ce fond Tout gauchiste fait. et féministe. Tout à fait. On a, on a quand même fait un super arrière-plan avec des, des mal, tenues, ouais. des talons. <laughs> mais euh, mais c'est vrai que c'est... Euh, c'est triste, quoi. Mm. C'est triste. C est, c est, en plus, il y a autre chose. Il y a quelque chose de profondément laid Ouais, c'est ça, ça. Je sais pas, quelqu'un devrait reconnaître. Il y a, y a un rapport dans notre époque à la laideur et à la renonciation de la beauté qui, en ce qui me concerne, euh, cristallise tous les débats. Ouais. On n'en on, on a pas notion. Euh, et je pense que celui qui le met le mieux en exergue, c'est Renaud Camus. Ouais, ouais, ouais. C'est un esthète. Hein ouais, ouais. Voilà. Alors, bon, après, certains diront il, il pose devant sa fenêtre, etc. Mais au-delà de ça. Je crois qu'on ne peut pas euh, s'affranchir et s'émanciper que toute beauté relève d'une exigence. Oui, oui. oui c'est-à-dire qu'au-delà de la crétinerie, il y a beaucoup de laideur, en fait, effectivement. Ah bah quand on voit cette fille là complètement avec mmh. les cheveux teints, qui oui. se craque tout le temps, qui est toujours comme ça là, c'est c'est oh vraiment c'est frustrant. Il y a... le film fait rire mais jaune en fait. Ah oui bah, ouais. même jaune kaki hein. ouais. <rire> <rire> Jaune kaki presque. Ouais. Quels sont tes prochains projets Écoute je suis en train de je suis sur trois projets à la fois parce que j'ai la... je tourne énormément. Ouais. Euh, la configuration l'indépendance me permet contrairement effectivement à tous ceux qui cherchent un poste euh, mm -hmm. euh, moi je tourne énormément je monte euh, donc là actuellement je suis sur euh, j'ai trois films j'ai euh, The Hungarian Butterfly qui est le papillon hongrois donc je, que j'étais évoqué à mon avis qui te plaira beaucoup okay. c'est beaucoup plus poétique c'est une recherche effectivement de spiritualité à travers un amour qui est beaucoup plus on va dire euh, qui repose sur la vacuité encore une fois de notre époque mm -hmm. euh, qui surpasse le plaisir charnel voilà bon je, je, je rentre pas dans les grandes lignes le deuxième, c'est Bestia, qui est en espagnol. Tu vois, ces deux films, il y en a un qui est en anglais, l'autre qui est en espagnol. Euh, Bestia euh, nous expose la vie d'un quadragénaire euh, métrosexuel mm -hmm. avec un statut économique surpuissant qui, aujourd'hui, devient ces espèces de macho alpha qui, on va dire, copule avec euh, toutes les minettes okay. et qui crée un véritable désordre social. Hein. Euh, parce que non seulement lui, ça le maintient dans une espèce de, de voiture à fond en, en première, mais là, là j'avance, mmh. il n'arrive pas à passer la deuxième, ouais. et en même temps, ça crée, si tu veux, dans le marché quelque chose qui fait que ça crée des frustrés de l'autre côté. Exactement, ouais. Voilà, donc ça, c'est deuxième, ça a été tourné en Mexique, et euh, l'un a été tourné à Budapest, l'autre a été tourné au Mexique, c'est deux projets, et je suis sur le djihad judiciaire en France. Ok, donc c'est suis... le ouais. documentaire dont on a parlé. Documentaire dont on a parlé, j'attends encore quelques intervenants. Ouais pour après pouvoir commencer à... à... sortir en 2019 possible, oui, en milieu oui. d'année ou fin d'année ah, Je pense en, en milieu d'année, j'aimerais bien commencer à, à avancer là-dessus. J'attends aussi parallèlement tout ce qui va ressortir du procès, mm -hmm. parce que j'ai écumé les procès, non, je devais d'ailleurs venir au tien, mm -hmm. mais j'ai écumé les procès de différents protagonistes, donc ouais. euh, quand j'y étais pas, j'ai regardé les comptes rendus, les condamnations, etc. Et euh, donc j'attends aussi ça, pour okay. voir un petit peu, parce que ça bouge aussi au niveau de la magistrature. Ils savent aussi qu'ils sont dans une ligne de mire. Alors, si je peux me permettre juste une petite aparté, ouais, ouais. pour voir comment fonctionne euh, la magistrature euh, sans y être euh, confronté de manière juridique ou intégrée euh, en termes de, de corporatisme, il y a des documentaires à regarder. Oui, ou même pour ceux qui habitent la région parisienne ou pas loin, rendez-vous. Rendez-vous, effectivement, voilà, dans les salles. Dans les... Les... Oui, et quand Henri ouais. Seine passe un procès, Soral, même ou moi, euh, venez. Oui. Et venez voir comment ça se passe, parce alors, que c'est exactement comme on l'a dit. Hein. Oui, alors j'ai vu que par exemple pour euh, rissen il y avait énormément de monde. Ouais, ouais. Alors je sais pas s'il a été condamné à de la prison ferme euh, Je crois que oui, ouais. ouais. C'est qu oui, ouais. bah, le réseau ER, tu sais, ils viennent beaucoup. Euh... oui ouais, ouais. Alors il y, y a quelque chose qui me... Ça, je vais essayer de le synthétiser. J'en parlais aussi avec les gens qui... Parce que hier est sortie la, la, la nouvelle que Boris Lelay avait été euh, supprimé. De... Ah, c'était hier D'accord. Ah France, oui, son on a site, oui, Son site, ses ouais, médias, ouais. etc. Alors, moi, je peux tout à fait comprendre que les gens soient en désaccord avec Boris Loller, Je peux mmh. tout à fait comprendre que les gens euh, euh, voient euh, ou euh, que Soral sorte par les trous de nez euh, à tout un tas d'individus. Je peux tout à fait le comprendre et parfois je le partage aussi. On va pas se, se mentir. Néanmoins, à partir du moment où ils avalent la censure d'État mmh. en pensant se protéger. Ils ouvrent la boîte de Pandore qui va finalement permettre à ce que eux. Ce qu'on disait tout à l'heure effectivement. Ouais, ils ne comprennent pas ça. Ouais, ouais. Ils ne comprennent et ça c'est malheureux. C'est ouais, malheureux ouais. parce que finalement les lois de censure sont toujours amenées avec des bonnes intentions. Oui. Euh, alors que c'est un coup de bâton qui va nous arriver à tous. Mais bon, c'est encore un autre. En débat En tout cas, tu as raison oui, de, de dire aux gens d'être curieux euh, pour voir comment fonctionne. Euh, on a on a parlé dit tout à l'heure que c'était un théâtre et croyez-moi, on n'exagère rien. Oui. Déjà, c'est bien pour afficher des soutiens aux personnes que vous appréciez. D'autant que, alors, minute conspire de ma part, pourtant je sais que je suis en duel contre beaucoup de complotistes. Oui. Mais euh, par exemple, le jour où je suis allé au, au tribunal, en appel, oui. eh bien, comme par hasard, il y avait également plusieurs nationalistes euh, qui étaient jugés à différents endroits. Par exemple, c'était le même jour que Rissen autrement dit quelqu'un ah, qui à... ou je sais plus quoi. Il y avait qui voilà, exactement. Au ouais. et, autrement dit quelqu'un qui apprécie les deux personnes ne peut aller qu'à un seul des deux procès ouais. et je me dis est-ce que c'est pas une manière d'affaiblir euh, de, 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 de mettre un peu le le le, le condamné enfin le condamné d'avance dans une position de faiblesse où en fait il aurait pu avoir 30 soutiens mais finalement ils sont 10 Bon, ouais. rassurez-vous, il y avait plein de gens autour de moi. Mais malgré tout, euh, tu vois, j'ai eu cette ouais. réflexion-là. Je, je, alors, à travers, ça c'est une... Je pense ouais. que stratégiquement, c'est très, très bien orchestré par la, la, la justice d'État et les organes d'État. Ouais. Néanmoins, je pense qu'il y a une part de responsabilité, de culpabilité qui incorpore à tous les gens de notre bord. Mmh. Et je vais l'évoquer ici, oui. j'y je, je, étais confronté. Euh, on a tous des divergences, parfois même des différences mais on partage une certaine colonne vertébrale, qui s'appelle l'amour de la France tel qu'on l'idéalise, mmh. tel qu'on l'imagine, tel qu'on qu veut la concrétiser, tel qu'on veut la redorer, on va dire. Euh, et euh, je me rends compte que malgré cette colonne vertébrale qui devrait nous fédérer, nous, je m'inclus aussi, ouais. nous tombons dans une logique de boutiquier, qui est que chacun conserve sa vitrine. Euh, avec sa petite, euh, on va dire euh, commodité, euh, petits intérêts, ou petites priorités parfois. Mmh. C'est malheureux parce que moi j'en arrive à la fin du dia judiciaire et la seule chose que me laisse entendre euh, ce documentaire que j'ai construit minutieusement, c'est que si nous n'arrivons pas, indépendamment de nos divergences, oui. à constituer ce front commun, il ne se passera rien. exactement. Voilà. Bah écoute, c'est c'est un, un bon mot, je trouve, pour finir. Simplement, est-ce que tu pourrais dire à, à mon public euh, comment euh, tomber sur tes œuvres, en fait Quels sont tes espaces Comment te retrouver D'accord. Alors, euh, c'est bien que tu me dis ça. Je suis très très mauvais en diffusion. Je vais essayer d'être. Euh... On va afficher déjà ton nom à l'écran, comme ça, vous pouvez le taper sur Google et tout. Et Alors, je sais pas, YouTube, Facebook. Sur Gérard, euh, voilà, sur sur euh, moi, j'ai choisi une chaîne qui s'appelle Vimeo, parce mmh. qu'elle est dédiée au cinéma. Alors, effectivement, elle n'a pas autant de nombre de vues que YouTube, parce que sa propagation. Ouais. sa propagation pardon n'est pas aussi simple néanmoins sur Vimeo vous allez chercher mon nom Boyadjian et vous trouverez euh, toutes les œuvres euh, cinématographiques il y en a plus d'une trentaine ah oui oui il y en a beaucoup mmh. il y en a beaucoup et euh, en différentes langues mais elles sont sous-titrées euh, et sur YouTube j'ai consacré le djihad judiciaire uniquement ah, parce que YouTube est sujet à, en permanence à censure. Ah oui, euh, d'accord. Ce qui est quand même pour les films un vrai, véritable problème. Il faut mmh. vraiment. Euh, YouTube, et ça devient un contenu complètement clippé, sans, sans grand intérêt, mais il a une, permis, il a une propagation supérieure. Ouais, Donc ouais. le djihad oui. judiciaire est pour l'instant placé sur le, la chaîne YouTube. Oui. Tous les films dits artistiques et de fiction sur euh, Vimeo. Pour te contacter, c'est un site internet, c'est Facebook, c'est une adresse mail C'est plus Facebook, J'essaie de garder l'adresse mail pour des, pour des choses un peu plus, on va dire. Oh. Euh, Pro, ouais, ouais. mais oui, sur Facebook j'ai la chaîne Boyadjian film ouais. où Gérard Boyadjian, voilà. Il y a un truc qui va peut-être te casser l'écho, je sais pas si tu te mets un poids sur les jambes. Si des gens ont des velléités pour faire du cinéma, des idées de scénarios de films, mais qui sont patriotes, et ils se disent tiens, il y a personne qui est comme moi, qui pense comme moi, qui veut faire des films, est-ce qu'ils peuvent te contacter oui. pour ça oui. Oui, 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 tout à fait. Moi je pourrais de toute façon, si je peux pas les aider, je peux les aiguiller, les conseiller, ouais. les conseiller. Je pense qu'il ne faut absolument pas avoir un moral à zéro. Tout est faisable. En film, tout est faisable. Très bien, ouais. bon, eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci à toi Gérard. Merci Daniel. C'était vraiment un très bon entretien, j'étais ravi de le faire. Merci beaucoup. Merci à vous tous, merci pour vos dons qui permettent à l'émission de continuer. N'oubliez pas de partager cette émission, de vous abonner à la chaîne, ben, ça ça coûte qu'un clic, ça coûte même pas d'argent. Et euh, merci à tous, je vous tiendrai au courant pour la sortie du documentaire dans lequel j'apparais de Gérard Boyadjan, « jihad judiciaire ». Et tant d'autres choses, on espère bientôt voir un, un long métrage aussi. Euh, Ça arrive. Voilà. C'est en cours de préparation. Très bien. Allez, à bientôt les amis. Au revoir. Merci, au revoir.